ne dois rentrer avant que notre travail soit terminé. Vous n'êtes pas encore. Et je ne vous obéirai pas. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière, vraiment très particulière. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la première fois dans un Histoire d'un héros que je mets une intro véritablement différente, je dirais. Et également, tout simplement le fait que je change le fond spécialement pour cette vidéo. Parce que Wrath of the Lich King, c'est un énorme morceau. J'ai déjà attaqué bien sûr Vanilla et Burning Crusade que je vous conseille si vous, si vous venez vous débarquer sur cette vidéo. J'ai également fait l'histoire de Warcraft 3 et l'introduction que vous venez de voir, c'était tout simplement la conclusion de Warcraft 3, Frozen Throne. Pourquoi je l'ai mise? Tout simplement parce qu'elle a un rôle très important dans la vidéo qui suit, puisque je vais on va beaucoup revenir là-dessus. Mais donc, pour juste avant d'attaquer tout simplement le début justement de l'analyse concernant Wrath of the Lich King, je rappellerai que cette vidéo, il faut quand même mettre les choses, il faut bien cadrer les choses. Je vais potentiellement faire mal à vos souvenirs d'enfance, je vais potentiellement détruire un mythe à vos yeux. Wrath of the Lich King, aujourd'hui, c'est uniquement une question d'histoire. Je ne m'intéresse qu'au lore. Le gameplay, c'est autre chose. Après, soyez quand même conscient que même à l'époque de Wrath of the Lich King, il y avait des soucis de méta, il y avait des soucis aussi de gameplay, hein, toujours. Et je rappellerai quand même que pour tous ceux qui disent que Wrath of the Lich King est la meilleure extension en termes de gameplay, c'est aussi ce qui a ramené le LFG, hein, quelque chose qui est plutôt critiqué par les gens. Mais voilà, ça c'était le petit point, je ne parlerai pas du gameplay, ce sera uniquement l'histoire de Wrath of the Lich King qui nous intéresse aujourd'hui. Une extension, probablement l'extension préférée des joueurs, c'est aussi pour ça que je dis que elle va être dure. Et en plus de ça, c'est tout simplement l'extension qui souvent les joueurs vendent cette extension comme la meilleure et qu'on n'a jamais réussi à l'égaler en termes d'histoire. Eh bien on va pouvoir attaquer dès aujourd'hui, maintenant, l'histoire de Wrath of the Lich King. Alors tout d'abord, Wrath of the Lich King, pour préparer cette vidéo, il a fallu beaucoup de temps. Il a fallu se replonger dans tout ce qui s'est passé à la sortie, tout simplement, de Wrath of the Lich King. Donc notamment, Wrath of the Lich King est sorti le 13 novembre 2018. Je vais vous donner quelques petites informations qu'il va falloir garder en tête pour la suite de l'histoire de Wrath of the Lich King. C'est-à-dire, 2 ans après Pirates des Caraïbes 2 et 3, là vous vous dites, quel rapport? On y reviendra. Également 2 ans après Bataille pour la Terre du Milieu 2 et l'extension qui s'appelle Rise of the Witch King.
Et également, alors ça c'est juste pour le troll, mais première extension sous Activision. Eh oui, parce qu'Activision a racheté début de l'année 2008, donc c'était assez drôle. Donc voilà, gardez bien ça en tête, puisque j'y reviendrai juste après. Pas pour le Activision, hein, ce que je disais avant. Donc tout d'abord, Wrath of the Lich King, comme n'importe quelle extension, a été préparé par de l'univers étendu. Différents tout simplement... récits, manuels et tout qui vont être narrés, en fait, en certains événements vont être narrés et c'est censé préparer justement l'arrivée de l'extension Wrath of the Lich King. Donc pour cela, vous avez le roman l'un des plus connus, l'un des plus illustres romans et notamment celui qui est probablement le plus fameux, je dirais, de Christy Golden, à savoir l'ascension du roi Lich, hein, donc Rise of the Lich King. Et du coup, ça narre tout simplement tout ce qui s'est passé à Warcraft 3 pour Arthas. Alors tout, pas tout à fait, on y reviendra juste après. On a également les comics sur Ashbringer, donc Porte Cendre, qui vont nous parler d'un certain Darion Morgraine, d'un certain Tyrion Fordring, on y reviendra également. Et enfin, il y a un manga qui s'appelle Chevalier de la Mort, donc Death Knight, qui nous parle de Tassarian. Et ce qui est drôle, c'est qu'avant même que je vous ai, qu'on ait attaqué Wrath of the Lich King, juste ce qui se passe un tout petit peu avant Wrath of the Lich King, il y a déjà des problèmes. Puisque, eh bien, au sein même de ces trois univers... certains des récits vont contredire les autres, notamment eh bien, Tassarian qui est représenté comme le bras droit d'Arthas dans Warcraft 3, alors que l'ascension du roi Lich ne nous parle pas du tout de Tassarian mais nous parle de Felric et Marwyn. On a, donc il y a déjà des incohérences au sein même de cet univers étendu qui est censé préparer Wrath of the Lich King. Ça commençait mal, on va dire, ça commençait plutôt mal. Donc eh bien, on va pouvoir attaquer tout simplement la cinématique d'ouverture de Wrath of the Lich King. C'est avec fierté que je t'ai vu grandir et devenir une arme au service de la vertu. Souviens-toi, notre lignée a toujours régné avec force et sagesse. Et je sais que tu feras preuve de retenue dans l'exercice de ton grand pouvoir. Toi, tu seras roi.
Alors cette cinématique, elle a énormément fait parler évidemment puisque c'est la cinématique généralement préférée des joueurs, hein, tout simplement. C'est la cinématique que beaucoup de monde considère comme la meilleure que Blizzard n'ait jamais faite. Et tout d'abord, eh bien, ce qui est très intéressant, c'est pas pour rien du coup, vous comprenez peut-être maintenant pourquoi j'ai choisi cette introduction, parce que la cinématique d'intro de War of the Lich King répond tout à fait à la cinématique de clôture d'un épisode qui avait été considéré comme bah, aussi le meilleur jeu de Warcraft de tous les temps avant l'arrivée de World of Warcraft, à savoir Warcraft 3. Et donc, on retrouve Arthas exactement dans l'état où on l'avait laissé à Frozen Throne. La musique est même remixée, on réutilise le thème de clôture, sauf que cette fois, au lieu d'une voix de femme, on entend une voix d'enfant. C'est pareil, l'enfant, on va tout de suite en reparler. Puisque, eh bien, on voit qu'on veut faire appel tout de suite à l'âme du joueur de Warcraft, on veut tout de suite revenir un petit peu aux sources, et forcément ça n'a pas laissé indifférents les joueurs de Warcraft, évidemment. Donc, commençons les réjouissances. Puisque la fin de la vidéo de Warcraft 3 nous disait, quand Arthas mettait le casque, qu'il y avait, hein, nous ne sommes plus qu'un, il y a une idée de fusion entre Arthas et Ner'zhul. Si vous avez lu le manuel de Warcraft 3, en fait, Ner'zhul, si vous avez joué à Warcraft 3, Reforged vient de sortir, c'est parfait, nous avons tout simplement, on voit pas mal de fois pendant la campagne Mort-Vivant, mais même pendant celle des Elfes de la Nuit, quand Illidan se confronte à Arthas, Arthas dit justement que son maître a un plan et que globalement en fait il avait prévu énormément de choses. Dans le manuel de Warcraft 3 Reign of Chaos, on apprenait aussi que depuis le début, Ner'zhul a toujours, puisqu'il n'a pas de corps, a toujours souhaité récupérer un hôte pour pouvoir eh bien, exercer sa domination. Et cet hôte, eh bien, il a choisi un champion, c'est Arthas. Et du coup, se termine War of the Lich King, et moi personnellement, bah, j'avais peur que justement le personnage, parce que j'aimais beaucoup Ner'zhul, mais j'aimais beaucoup Arthas, j'avais peur que le personnage d'Arthas soit détruit définitivement, puisque c'est Ner'zhul qui revient. La fin était étrange, puisqu'il y avait ce « nous ne sommes plus qu'un », est-ce que Arthas est encore présent, est-ce que Ner'zhul a totalement pris le contrôle? Eh bien, la cinématique de War of the Lich King directement parle pas du tout de Ner'zhul, et nous parle uniquement d'Arthas. Avec, on entend la voix de Terenas, le père d'Arthas qui parle, et là arrive le gros premier point noir de War of the Lich King, c'est-à-dire que dès cette intro incroyable qui nous en met plein les mirettes, on comprend qu'il s'est passé quelque chose dans le casque. Et c'est le livre que je vous ai dit juste avant, donc l'ascension du roi Lich, qui en fait explique ce qui s'est passé dans les 5 dernières pages. C'est-à-dire que tout le roman ne fait que paraphraser la campagne, donc lorsque Arthas est dans Warcraft 3, la campagne de Frozen Throne et la campagne de Reign of Chaos et Frozen Throne dans l'ordre. Et en fait, eh bien, malgré la fusion, donc, qui était le plan de Ner'zhul et qui était dit dans la cinématique de fin de Frozen Throne, eh bien en fait Arthas s'est libéré du joug de Ner'zhul, donc le premier roi Lich. Rappelons quand même juste que quand Arthas a pris les contrôles a pris l'épée, il a perdu totalement sa volonté et il est devenu entièrement soumis à Ner'zhul. Mais du coup, quand il met le casque, parce que Frostmourne n'est qu'une extension de l'armure de Ner'zhul, donc une extension de la volonté de Ner'zhul, donc en gros, il est en Wi-Fi, en Wi-Fi nécromantique, s'il faut s'exprimer. Quand il met le casque, c'est-à-dire quand il branche le câble Ethernet et qu'il est directement relié à la box nécromantique, eh bien, donc, c'est-à-dire il est devant l'immense pouvoir de celui qui est appelé le Seigneur Noir, et c'est pas moi qui fais des superlatifs, c'est Warcraft 3 là-dessus, eh bien, en fait, Arthas boot Ner'zhul, il le massacre dans l'esprit. Il y a une bataille en fait entre 3 personnes, et là vous me dites 3, mais tu viens de parler de 2, ah non, 3 personnes, Arthas, Ner'zhul et le Arthas gentil. Il y a maintenant un Arthas méchant, un Arthas gentil et Ner'zhul qui combattent tous les 3 dans le casque. Et à la fin, donc pendant les 5 ans d'AFK d'Arthas sur le trône, eh bien en fait, Non, il n'était pas aux toilettes, il était en train de se battre avec les 2 autres, et finalement, au bout des 5 ans, il a vaincu Ner'zhul, donc il tue Ner'zhul en pensée, il empale Ner'zhul, et donc son maître qui le contrôlait totalement, et à qui il était totalement dévoué, et qui le libère à la fin quand même, et il tue également donc sa part gentille, donc apparemment Arthas a un dédoublement de personnalité, et il tue sa part gentille qui s'appelle Mathias Lehner, qui est tout simplement un anagramme, donc qui représente donc un anagramme d'Arthas Menethil, et qui est tout simplement sa part gentille, son humanité. Donc il se tue, il tue tout le monde en fait, et il devient le seul maître au contrôle donc de Frostmourne et du casque, et du coup il devient le seul roi Lich. Donc on est quand même parti avec, il y a une fusion, mais en fait pas tout à fait. Et pourtant la cinématique répond totalement à la conclusion. Donc ça,
c'est quand même assez extraordinaire parce qu'en plus, Wasology King, et je vous mets au défi d'essayer de trouver, et allez-y parce que on a beaucoup bossé notamment avec celui qui m'a aidé, sans qui cette vidéo ne serait pas sortie, c'est tout simplement Evanessor, qui m'a énormément aidé et avec qui on a passé des heures et des heures et des heures à vérifier pas mal de choses. Je vous mettrai les sources dans la description d'ailleurs. Il y a aussi du temps de jeu. Et en l'occurrence, eh bien, il n'y est jamais, je dis bien jamais, fait mention dans l'extension Wrath of the Lich King de Ner'zhul. On nous parle, il y a une quête à un moment donné où Arthas dit qu'il a été chaman par le passé, ce qui est quand même extraordinaire puisque si Arthas a repris totalement le contrôle du casque, bah il est censé avoir tué Ner'zhul, donc à aucun moment Arthas a été chaman, hein, donc c'est quand même formidable. Donc en fait, et même les créateurs, parce que la communauté s'est posé beaucoup de questions, donc dans les questions-réponses souvent ils demandaient mais y a-t-il vraiment eu fusion puisqu'en fait Arthas est seul dernier maître à bord, etc. Et ils disent non, on ne décanonise absolument pas la cinématique de fin, il y a bien eu fusion. Il y a bien fusion, mais trois quarts du temps, même plus, on te dit qu'en fait non, il n'y a que Arthas qui est maître à bord. Ce qui est extraordinaire, ce qui est extraordinaire, et du coup, l'extension sur le roi Lich, on ne fait jamais mention du premier roi Lich. C'est quand même formidable. Parlons avant d'attaquer plus de points négatifs que ça, il va peut-être quand même bien sûr rappeler que Wrath of the Lich King, comme toutes les extensions dans Warcraft, même les pires, hein, on est cru rien, et il y a des points positifs quand même, il y a des points positifs et on va pouvoir les lister, parce que c'est vrai que c'était sur Burning Crusade, sur ma vidéo de Burning Crusade, une des critiques qu'on m'avait faites c'était j'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus l'accent au début avec un beau visuel sur les points positifs, donc on va faire ça pour Wrath of the Lich King, pardon, lapsus. Donc, bien sûr, Wrath of the Lich King a des points forts. Mais ce qui est assez drôle, c'est que même dans les points forts, vous verrez qu'il y a des points faibles. Puisque on va commencer tout simplement avec donc les zones. Les zones de Wrath of the Lich King, le Northrend, le Northandre en français, sont magnifiques. Il est clair que c'est magnifique. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que ce n'est pas Wrath of the Lich King qui a créé ces zones. Ils n'ont, donc c'est pas une création propre à Wrath of the Lich King, ça vient du RPG, donc le jeu de rôle papier de World of Warcraft, donc qui avait été créé 2 ans plus tôt, et en fait, on imagine bien qu'ils étaient déjà en train de commencer à bosser sur WotLK, mais au final ça vient du RPG qui, je le rappelle, le RPG n'est pas canon, mais toutes les zones vont être intégrées, quasiment trait pour trait, avec Wrath of the Lich King. Donc, nous avons également les races, pour la plupart, ce ne sont pas des créations, hein, ce sont des créations de Frozen Throne, donc Warcraft 3 et du RPG, donc vous avez les Kaluak, donc ces hommes morses, les Magnators, vous avez les Gardiens, etc., les Trolls de Glace, la plupart de ces créatures-là, les Furlbogs bien entendu, avaient été créés déjà à l'époque de Warcraft 3. Une autre zone qui, on en reparlera après, mais une autre zone qui a beaucoup plu aux joueurs, c'est la zone d'Ulduar, évidemment, avec les terrestres, les gardiens. Je ferai une vidéo spéciale sur... Alors déjà, il y en aura deux sur les gardiens, on en a déjà un peu parlé sur l'Empire Noir, mais je vais tout simplement, la prochaine vidéo de Cosmogonie, ce sera justement sur l'ordonnancement d'Azeroth, donc là où les gardiens vont avoir un rôle prépondérant, et il y aura une vidéo de généalogie sur les nains, et du coup, on parlera beaucoup plus des terrestres, mais c'est pareil, ça aussi, ça vient de Warcraft 3, tout ce qui est gardiens, etc., les dieux très anciens, ça a été créé, même si c'était pas encore bien développé à Warcraft 3, et le RPG va aller plus avant, on va dire, dans l'explication. Donc, au final, même les points forts de Wrath of the King, il n'y a pas tant de création que ça. On a les musiques, bien sûr, qui sont très très bonnes sur Wrath of the King. Ce qui est drôle aussi, c'est que on a vu que, par exemple, le thème très connu, Invincible, qui était celle de l'intro et de la conclusion de Frozen Throne et celle de l'intro de Wrath of the Lich King, bah, au final c'était une musique de Warcraft 3 qui a été remasterisée, donc c'est un petit peu triste à ce niveau là que on va dire, mais après les musiques sont très très, il y a des très bonnes musiques bien entendu. On a également en point fort l'arc scénaristique de Zul'drak avec toute la fin d'une civilisation complète, celle des trolls de glace qui sont obligés, contre leur guerre, dans leur lutte contre le fléau, sont obligés de sacrifier leur Loa, etc. On comprend un peu mieux comment fonctionne le système de Loa, comment fonctionnent les civilisations trolls, c'est assez intéressant. Encore une fois, ce genre de choses avait déjà été abordé pendant la guerre de l'araignée, il y a une vidéo qui arrive dessus. Je sais, vous me la demandez, vous en faites pas, elle arrivera dans le sillage de celle de Wrath of the Lich King. C'était déjà évoqué dans la guerre des anciens, enfin dans la guerre de l'araignée, même si bien sûr ça a été beaucoup plus détaillé et assez intéressant. Donc, et d'ailleurs un point très important à noter, c'est les Grisons qui seront réutilisés notamment à Légion tellement ils avaient fait du bon travail sur la zone. Donc ça, c'est des très bons points. Un problème quand même pour les zones, c'est que évidemment on est sur un MMORPG, on est sur du gameplay.
Et il faut que le joueur se sente dépaysé et du coup toutes les zones ne doivent pas se ressembler. Or il y a un problème, même vous voyez dans les points positifs des zones, il y a déjà une incohérence d'histoire scénaristique puisque en fait, bah, par exemple vous allez dans le Fjord Hurlant ou dans les Grisonnes, il y a quasiment pas de neige. Et donc on pourrait dire, bah, c'est pas grave, on attaque tout simplement l'été, on attaque la raison la plus simple, ce serait de dire, bah, c'est pas grave, on attaque Northrend l'été, justement, quand il fait pas encore trop froid, etc., c'est mieux pour attaquer le Roi Lich. Ouais, mais le problème c'est que le Roi Lich vient de se réveiller, et c'était déjà quelque chose de dit avec l'ancien Roi Lich Ner'zhul, quand le Roi Lich se réveille et qu'il est à son paroxysme de puissance, bah, c'est un petit peu à l'image de Game of Thrones, il manipule le climat, en fait, donc... Par la nécromancie, il peut changer les choses. Donc, c'est pour ça que les liches d'ailleurs ont des pouvoirs de glace, c'est grâce au roi liche. Donc, et bah non, en fait. Normalement, le continent, si tu l'attaques alors que le roi liche est réveillé et au maximum de sa puissance, et bah on est censé avoir des terres glacées partout. Et je rappelle que Arthas a débarqué au Fjord Hurlant hein, à la base, et le Fjord Hurlant bah, dans Warcraft 3, c'est enneigé. Donc déjà, il y a un petit problème de cohérence concernant les zones. Après, c'est pour le gameplay, c'est pour pas que tout soit blanc, parce que sinon, l'extension, c'est tout blanc. Mais on a déjà un petit souci, parce qu'on est censé attaquer Arthas. Ce qui aurait pu être d'ailleurs totalement justifié, c'est... En fait, Arthas vient de se réveiller, il est pas encore... Enfin, le Roi Lich vient de se réveiller, il est pas encore tout à fait au summum de son pouvoir. Mais non, ça a bien été dit, ça a bien été précisé. Il est au maximum de sa puissance, il vient de kick, il vient de tuer les deux autres dans sa tête. Il est au maximum de sa puissance. Le problème, c'est que si tu essayes de dire qu'il est au maximum de sa puissance... Bah, ça colle pas du coup, ça colle pas. Mais bon, ça c'est un point. Attaquons maintenant le début de Wrath of the Lich King, donc avec les événements de pré-extension, donc tout simplement la transition entre Burning Crusade et Wotelka qui n'était pas aussi bien amenée que plus tard, mais l'idée c'est tout simplement eh bien, de reprendre quelque chose qui avait déjà fonctionné, hein, le gameplay oblige, on réutilise ce qui avait marché avant, à savoir Naxxramas qui avait lancé un concept que je vous ai déjà évoqué à Vanilla et ABC, ce que j'appelle le Safari. Le Safari c'est quoi? C'est... Vous avez aimé tuer Kel'Thuzan à Naxxramas et des personnages connus de Warcraft 3, Saphiron entre autres, eh bien on va vous balancer tout ce qu'on a de Warcraft 3 et vous allez tous les massacrer les uns après les autres. Burning Crusade est probablement le pinacle du Safari, Wotelka continue avec tout ce qui est lié au Roi Lich et au Northrend. Le truc c'est que du coup, quand on va réutiliser ce système, on va également réutiliser ce qui marche. Naxxramas avait très bien fonctionné, eh bien on va réutiliser la même attaque du fléau sur les capitales, à savoir du coup des nécropoles qui arrivent au-dessus des capitales, attaque du fléau, et ça va commencer directement par une intoxication avec du grain contaminé. Si vous connaissez Warcraft 3 ou que vous avez joué à Reforge, ça doit vous dire quelque chose cette histoire de grain contaminé, c'est comme ça que le fléau mort-vivant a commencé. On attaque la nourriture, on est obligé de manger, les êtres vivants sont obligés de manger, on utilise leurs points faibles contre eux, ce qui les transforme en mort-vivants, ce qui fait qu'à la fin tu te constitues une énorme armée de mort-vivants et tu écrases ceux qui ont résisté. Tout est l'intérêt. C'était amené avec beaucoup de subtilité dans Warcraft 3 et c'est ce qui avait un petit peu brisé les défenses de l'Alliance de l'Ordéron, qui est considérée quand même comme une... Enfin, c'est celle qui a triomphé de la Horde, etc. C'est quand même une très grosse union, une très grosse coalition de peuples. Même si, bien sûr, elle avait déjà été un peu fragilisée de l'intérieur, on y reviendra après, mais dans le Jour du Dragon, dans une autre vidéo. Hein. Mais en l'occurrence, là, on attaque de manière totalement frontale. Les nécropoles, alors que en plus, à la limite, l'Alliance a énormément de griefs à l'égard d'Arthas et du Roi Lich. Côté Horde, vous allez me dire, bah oui, il y a les Elfes de Sang et les Réprouvés, oui, c'est les races les deux les plus minoritaires de la Horde. Les Orques, les Tauren et les Trolls, ils n'ont rien à faire du Roi Lich. Donc, à la limite, ce qu'aurait pu faire un Roi Lich un peu sensé, un peu tacticien, c'est on attaque les capitales de l'Alliance avant, on brise ce qu'ils font, la Horde nous emmerdera pas, et ensuite on s'occupe de la Horde. Non, non, là le Roi Lich, gros bourrin, plus aucune subtilité à la Warcraft 3, c'est on balance tout, on envoie tout directement sur les capitales, parce qu'en fait le plan, c'est de les faire aller en Northrend, de les faire attaquer de faire attaquer les positions du Roi Lich directement. Donc, ce qui est quand même un petit peu rigolo, c'est qu'on va avoir du coup du grain contaminé qui va, comme je l'ai dit, la peste mort-vivante façon Warcraft 3. Le problème, c'est que, bien sûr, il va y avoir du conflit donc, avec les ghouls, etc., qui vont être créés lors de la peste. Mais, formidable, nous sommes dans un univers incroyable, les paladins et tout ce qui est l'église de la lumière va réussir à enliser hein, la corruption et la contamination. Donc en gros, les paladins vont utiliser leur sort de magie et pouf, ça cleanse, il n'y a pas de problème, ça cleanse, donc on arrive à nettoyer tout ça, et au final, la peste est arrêtée comme ça. Alors, petit problème, c'est que dans Warcraft 3, et c'est tout simplement le pan scénaristique qui entoure Arthas
Et c'est également un pan qui va considérer d'autres personnages de World of Warcraft comme Dame Liadrin. Si vous avez suivi un petit peu les nouvelles concernant Liadrin, enfin il y a une nouvelle qui était géniale à Burning Crusade concernant Liadrin, je vous invite à aller la regarder, à aller la lire, elle est gratuite sur internet. Bah en fait c'est que la lumière est inefficace contre la corruption, enfin contre la peste mort-vivante. La lumière ne fonctionne pas. Si la lumière fonctionnait, ça serait pas aussi problématique de contrer la peste mort-vivante. Donc là, magie, ça fonctionne. Donc à Warcraft 3, à l'époque où les paladins sont au paroxysme de leur puissance, où l'ordre des paladins est très reconnu et assez monstrueuse, avec des noms comme Uther, etc., ils n'ont pas réussi à soigner la peste mort-vivante. Mais à World of Warcraft, alors qu'on n'a plus que des randoms, pas de problème. Un coup de baguette magique, un petit clignement, et c'est bon, c'est fait. Là encore, manque de subtilité, et les explications, c'est ta gueule, on s'en fout, c'est magique, c'est soigné. C'est un problème, parce que juste avec ça, ça retconne tout l'arc scénaristique d'Arthas, parce qu'Arthas était un paladin, il avait juste à utiliser la lumière, merci, et c'est bon, c'est réglé, pas de problème, pas besoin d'aller en Northrend, tout ça, tout ça. Pareil pour Liadrin, elle a juste arrêté la prêtrise, et elle est passée en paladin, donc elle est passée en plutôt côté guerrière, côté vindicte, parce que justement la lumière ne fonctionnait plus et elle n'arrivait pas à soigner ses concitoyens. C'est quand même un petit peu dommage de jeter des histoires plutôt construites et plutôt intelligentes à la poubelle comme ça. Pendant l'assaut sur les capitales, nous avons également... Alors, j'en ai juste pas parlé, faudrait quand même que je le dise très rapidement. Mais pendant l'assaut des capitales, Troll et le fils de Grommel Scrim, donc Garrosh Hellscream, vont se livrer à la Magora. Je vous laisse aller voir la vidéo sur la Magora. Thrall utilisait les pouvoirs et on ne le traitait pas de tricheur. Je vous laisse aller voir la vidéo sur la Magora. Mais voilà, c'était pendant l'assaut et c'est d'ailleurs ce qui va décider finalement Thrall d'envoyer Garrosh Hellscream en tant que chef des forces de la Horde en Northrend. Dans le même temps, nous avons tout simplement le scénario des Chevaliers de la Mort qui va commencer ici, avec en fait, pendant les assauts, il envoie également une de ses nécropoles au-dessus de la ville de la Main de Tyr, qui est une ville totalement à l'est de l'Ordéron. Et en fait, là-bas, le roi Lich, donc Arthas, directement va mener les opérations sur place en attaquant la Main de Tyr. Et il va lâcher son élite, il va lâcher ses meilleurs guerriers, à savoir les Chevaliers de la Mort, et il va récupérer, lors de ses assauts, il va récupérer justement les corps des soldats tués pour en faire de nouveaux Chevaliers de la Mort, donc c'est tout simplement les joueurs. Je vous laisse aller voir la vidéo sur les Chevaliers de la Mort, mais il faut que j'économise un petit peu aussi du temps, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, donc je vous laisse aller voir la vidéo sur les Chevaliers de la Mort, j'en ai un petit peu parlé, déjà encore, à ce moment-là, il y a des incohérences, donc je vous laisse aller les voir pour plus de détails. Surtout que la vidéo est pas très longue concernant les Chevaliers de la Mort. Alors, Darion, donc le chef des Chevaliers de la Mort, Darion Mograine, qui son histoire, ce personnage ne sort pas de nulle part, il avait été créé dans le comics justement Ashbringer, et c'est pour ça que vous voyez à la main, il porte cette épée Ashbringer. Donc, on réutilise le comics qui avait été utilisé pour préparer Wrath of the Lich King. Darion et les Chevaliers de la Mort mènent l'offensive contre un lieu, par contre, lui qui est totalement créé par Wrath of the Lich King, il s'agit de la chapelle de l'espoir de la lumière. Alors, le bâtiment était présent à Vanilla, mais c'était juste une chapelle en fait. Et à Wrath of the Lich King, ce monument, ce bâtiment, va rétroactivement devenir en fait à peu près la plus grande église, un lieu saint comme pas possible. Et heureusement, puisqu'en fait cet endroit est le dernier bastion des paladins de la lumière, les anciens paladins de la main d'argent qui forment aujourd'hui... le dernier bastion, la dernière résistance contre le roi Lich. Du coup, en fait, Arthas va envoyer ses meilleures troupes, hein, puisque je rappelle que les Chevaliers de la Mort, dans la hiérarchie du fléau, censé être l'élite des troupes du fléau, il va les envoyer tout simplement le Arthas, et en fait, sur ce lieu sacré, il va se rendre compte Darion et ses Chevaliers de la Mort vont être complètement repoussés, ça va être une boucherie. Alors, il y a une petite, subtile référence à 300, hein, 300 paladins, 300 résistants contre 10 000 troupes du fléau, tout ça, tout ça. Subtile référence aux Thermopyles. Et donc, malgré tout, la lumière est trop forte en ce lieu. C'est un lieu consacré, c'est un lieu saint. Et du coup, les Chevaliers de la Mort sont vaincus à cet endroit-là. L'assaut est brisé. Et au final, c'est ce qui va permettre à Darion, pendant un court laps de temps, de voir l'âme de son père, l'esprit de son père. Ça va le désarçonner, il va lâcher l'épée, Tyrion va la récupérer, il va mettre un petit coup de polish oxyaction à la lumière, ça va
instantanément nettoyer la lame qui redevient, là vous voyez c'est une lame impie, ça redeviendra une lame de lumière, parce qu'à l'époque l'ombre c'est la mort vivante et la lumière c'est la vie. Donc on retrouve ça à Shadowlands, hein, ne vous en faites pas, c'est juste qu'il y a eu un moment du lore de Warcraft où on est passé de l'ombre, le vide contre la lumière. Là non, à cette époque là c'est bien l'ombre et bien la mort, et à Shadowlands hein, l'ombre redevient la mort. Donc Darion va se libérer, du coup Tyrion va récupérer Ashbringers, et à ce moment-là va se passer hein, tout simplement donc, le duel, le grand duel entre Tyrion le paladin et Arthas le chevalier de la mort, qui est maintenant roi Lich, devant la chapelle de l'espoir de la lumière. Ils se mettent sur la tronche et bien comme ils sont en terrain sacré, en terrain consacré, Tyrion va réussir à repousser Arthas qui va être un peu blessé. Cette blessure va tout simplement libérer les chevaliers de la mort du contrôle du roi Lich. C'est tout simplement un écho au réprouvé dans Warcraft 3 qui, lorsque le roi Lich de l'époque Ner'zhul avait été un petit peu bousculé par Illidan, je dis bien un petit peu parce que c'est quand même méchamment bousculé, hein. Quand vous avez tout un continent qui tremble, c'est plutôt bousculé. Et au final, donc c'est pas juste une petite coupure, et au final, eh bien, vous avez donc le lien en fait de le lien de contrôle de nécromancie va s'effilocher, ce qui fait que les chevaliers de la mort vont, alors je rappelle aussi un petit truc concernant Warcraft 3, les soldats qui avaient donc les réprouvés qui avaient réussi à se libérer du contrôle du roi Lich, ils étaient pas juste à côté du roi Lich, hein. Ceux-là ils sont restés sous le contrôle du roi Lich, exemple Anubarak. Pourtant Anubarak il a plutôt des griefs à l'égard du roi Lich, à l'égard de Ner'zhul. Donc au final les réprouvés étaient très 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 loin du roi Lich, ce qui fait qu'on comprenait pourquoi le lien de nécromancie s'était fragilisé. Là Arthas il est juste à côté, mais on va dire TG c'est la lumière, donc c'est la lumière qui aide aussi pendant la blessure, ce qui fait que les chevaliers de la mort se libèrent. Et Arthas va fuir justement la zone, il est blessé et puis ses propres troupes l'abandonnent et se retournent contre lui, donc il s'en va. À ce moment-là, eh bien, Darion Mograine et les Chevaliers de la Mort vont former un nouvel ordre de résistance contre le roi Lich, à savoir la Lame d'Ébène. On en a parlé dans une autre vidéo sur Arthas, c'est assez rigolo parce qu'ils veulent se libérer de l'influence du roi Lich et finalement ils vont retomber dessus à Légion. Mais du coup, Ils vont faire un pacte. Darion et Tyrion vont faire un pacte. Tyrion avait combattu aux côtés du père, tout simplement, de Darion. Donc il y a un lien un petit peu, on va dire, de père-fils qui se crée entre les deux, ou tonton, lien de tonton à enfant. Et au final, eh bien, Tyrion va jouer de son influence pour faire accepter les chevaliers de la mort, les chevaliers de la mort dans l'Alliance et dans la Horde. Du côté de l'Alliance, c'est Tassarian, d'où le manga qui préparait Warsaw King, qui va devenir le chef de la Lame d'Ébène côté Alliance. Côté Horde, c'est tout simplement Khol Tirah. Ce qui est très drôle avec Khol Tirah, c'est que c'est un elfe, donc pas un elfe de sang, mais on s'en fout, hein, c'est les mêmes, donc n'est-ce pas Blizzard, c'est les mêmes. Donc, eh bien, en fait, on va mettre un haut elfe à la tête des chevaliers de la mort du côté de la Horde. On va juste dire que c'est un réprouvé, ce sera plus simple. Et au final, eh bien, alors c'est très drôle parce que Tyrion joue de son influence côté Horde. Quoi, il a dit à Etrig, mec, on a une histoire commune. Je t'envoie des mecs, des chevaliers de la mort, des trucs que c'est censé être le mal. Vous les avez affrontés au Mont Ijal, tout ça, tout ça. Tu les prends ou pas? Ils sont gentils. Ma parole. Ma parole, ils sont gentils. Donc la Horde les accepte sans aucun problème. Et les plus grands ennemis de Sylvanas. Mais on peut imaginer que Sylvanas veut l'utiliser, pas de soucis, c'est pas expliqué, mais on va dire que oui, ça valide. Et au final, eh bien, un assaut, puisqu'ils ont été attaqués et en plus les capitales des différentes factions ont été attaquées. Donc on va lancer tout simplement l'offensive du Northrend. Et la Horde et l'Alliance vont envoyer leurs troupes, donc ils vont débarquer sur plusieurs endroits. Alors c'est une carte qui a été faite par Evanescer, parce qu'en fait, eh ben, dans Chronicles, malheureusement, il n'y a pas cette carte-là, puisqu'apparemment, on est trop con pour comprendre une carte. Ils ont simplifié le truc en mode, la Horde arrive à gauche, donc à l'ouest, l'Alliance arrive à droite, à l'est, voilà. Alors que, attention, dans le jeu, c'est pas du tout ça, et le Chronicles n'a absolument pas décanonisé ce fait. Le truc, c'est juste que Chronicles nous prend un peu pour des cons, et du coup, ils ont simplifié au possible pour que ce soit plus clair. Mais il est bien, ça n'a pas du tout été décanonisé, comme quoi la Horde arrive à la fois sur le front ouest et à la fois sur le front est, et l'Alliance arrive sur le front ouest et sur le front est. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est tout simplement, et c'est de la logique, toutes les races de la Horde du côté ouest, qui sont majoritaires, vont attaquer à l'ouest, les races de la Horde minoritaires de l'est vont attaquer aussi à l'est. Donc les réprouvés et les elfes de sang vont débarquer à l'est, les orques, les trolls, les tauren vont débarquer à l'ouest. Inversement pour l'Alliance, les troupes majoritaires de l'Alliance vont débarquer à l'est, donc humains,
nains, gnomes vont débarquer à l'est. À l'ouest vont débarquer une partie des humains de Terramor et Jaina, ainsi que tout simplement eh bien, les Draenei et les elfes de la nuit. Même si on n'aura pas des masses à Wastelich King. Mais ils débarquent à l'ouest. Donc voilà pour ce qui est de l'arrivée des forces de l'Alliance et de la Horde. On a également, comme vous le voyez, la Croisade Écarlate qui va également mener son assaut contre le Roi Lich en arrivant au niveau de la Désolation des Dragons. J'en reparlerai dans quelques instants. Nous avons du coup, lors de cette... alors j'en parlerai un peu plus dans la vidéo sur Bolvar, mais le front est, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est plutôt assez bien fait, chacun fait son bastion pour essayer de repousser les troupes envoyées par le fléau, histoire d'avoir une assise solide pour pouvoir mieux débarquer sur le continent. Mais ce qui est très drôle, c'est par contre le front est de l'Alliance. Alors, je ne suis ni Horde ni Alliance, je m'en bats les steaks de ce duel d'enfants de 5 ans, mais ce qui est très drôle par contre, c'est quand même que du côté est, donc le grand débarquement de l'Alliance, il se fait... il est absolument débile, et d'ailleurs les premières missions que vous allez faire, c'est « Ah bah mince, notre base elle est en plein, en bas, des falaises qui sont contrôlées par nos ennemis les Vricool. Et si on installait notre base ici? Oh mince! Eh bien en fait le défilé on le contrôle pas, du coup on a perdu la moitié de notre flotte. Oh mince alors, c'était pas du tout prévisible !» Ceci, mesdames et messieurs, était le génie tactique du grand commandant de l'Alliance, le généralissime Bolvar Fordragon. On en reparlera dans une vidéo dédiée à Bolvar Fordragon, mais c'est quand même un sacré coup de génie militaire et tactique. Et au passage, petite blague, mais n'hésitez pas à essayer de compter au sein du jeu, et je parle même pas des joueurs, de compter le nombre de généralissimes du côté de l'Alliance. C'est tordant, hein. Généralissime, je rappelle, c'est le connétable, en gros, c'est le chef de toutes les armées. Donc quand il y a plus de 10 généralissimes qui se baladent au même endroit, lequel est le chef des armées, il y a peut-être un problème, d'où la Bérésina du débarquement de l'Alliance, peut-être. Du côté de la Horde, au niveau de la toundra boréenne, on va tomber sur un peuple cousin des Tauren, à savoir les Tonka, et lors de cette extension, eh bien, les Tonka vont rejoindre la Horde officiellement, même s'ils ne sont pas jouables. Voilà, c'était pour une petite anecdote, mais peut-être qu'un jour on aura les Tonka en race alliée. Je l'espère, honnêtement, c'est cool et leur histoire est déjà faite. Petit retour sur la Croisade Écarlate. Alors, là, c'est une parenthèse, mais c'est quand même important pour la suite, vous verrez. On a tout simplement, donc, à l'est, les troupes des réprouvés, donc de Sylvanas, qui débarquent et qui vont, comme à leur habitude, eh bien, mener des exactions contre les différentes forces hostiles à la Horde et aux réprouvés. Donc, il va y avoir des massacres des troupes de l'Alliance, des massacres de Vricool, des massacres des troupes qui... servent le Roi Lich. C'est un petit peu l'extension pour les réprouvés, puisque bah, je rappelle que leur but final c'est quand même de massacrer le Roi Lich, donc c'est tout à fait compréhensible. Je vous ai mis ce petit visuel, c'est pour bien sûr vous ouvrir vers la vidéo de débunkage de Sylvanas, pour ceux qui pensent que Sylvanas a changé entre Warcraft 3 et BFA. Si jamais vous êtes des anti-Sylvanas et que vous êtes déjà convaincu par cette image, je vous invite à plutôt regarder la vidéo sur la 8.2.5, à savoir la fin de la campagne militaire de la Horde, où là, eh bien justement, je vous montre qu'elle n'est pas non plus si méchante Sylvanas. Voilà. Donc là, c'était un petit rappel, mais pendant Wars of the Lich King, Sylvanas va tout simplement massacrer, parce qu'elle va profiter du délire. En même temps, on ne peut pas lui en vouloir. Elle, c'est plutôt une maline. La Croisade Écarlate arrive, c'est censé être les plus grands ennemis des réprouvés après le fléau. Elle les voit débarquer, elle se dit, bah, est-ce qu'on ferait pas d'une pierre deux coups? On détruit tous nos ennemis. Du coup, elle va massacrer l'assaut écarlate, hein, c'est-à-dire le débarquement de la Croisade Écarlate, et elle va tout simplement les massacrer, elle va même détruire ses propres troupes qui se sont fait capturer. Donc ça va être un carnage, la Croisade Écarlate va se faire découper. Et bon, après, c'était des cons, est-ce qu'on peut l'en vouloir? Mais c'est assez marrant, puisqu'on y reviendra, vous en faites pas, un peu après, gardez ça en mémoire, on y reviendra après. Voici comment donc les assauts continue entre la Horde et l'Alliance contre le Fléau. Ils sont pas ennemis, hein. Je rappelle, on est dans une situation de guerre passive entre la Horde, enfin une guerre froide entre la Horde et l'Alliance. Donc malgré quelques petites exactions, comme on l'a dit avec Sylvanas, globalement le conflit est plutôt focalisé contre le Fléau. Pendant ce temps, eh bien, incroyable, la grande cité de Dalaran qui avait été détruite par le Fléau et notamment par Archimonde qui avait magiquement, pour montrer sa super puissance, et ben il avait joué au château de sable avec Dalaran, il avait détruit la ville. À Warcraft 3 Frozen Throne, on s'était baladé dans la ville et c'était des ruines de partout complètement délabrées. Dans WoW Vanilla, on voyait une espèce de petite bulle violette, mais si vous faisiez les quêtes, vous pouvez toujours les faire, hein, à classique dans les contreforts de Haute Brand, donc Hillsbrand,
pouvez aller faire les quêtes. Vous voyez hein, des membres de Dalaran, enfin des membres du Kirin Tor et des membres de Dalaran qui essayent de trouver 2-3 objets magiques par-ci par-là et qui essayent de survivre. Mais globalement, et même on a même la situation à l'intérieur du dôme. Le dôme, c'est plus un asile. La ville est totalement en ruine également à l'intérieur. C'est dit par les PNJ à WoW Classic. Donc à WoW Vanilla, hein, Dalaran, toujours en ruine. Mais là, on va assister au plus grand ta gueule, c'est magique de toute l'histoire de World of Warcraft. En l'espace de 3 ans, donc, eh bien, la cité de Dalaran va être totalement reconstruite. Et ce qui est très drôle, c'est que dans les sources différentes qui vous expliquent, parce qu'en jeu, on vous dit, elle a été reconstruite, c'est bon, on a même des sources qui vont eh bien, se contredire concernant Dalaran, puisqu'il y a un manga qui va ressortir après et qui va nous reparler de Dalaran. Et en fait, il y en a qui disent qu'elle a été reconstruite, d'autres qu'en fait, elle avait jamais été vraiment détruite, le bout, etc. C'est incroyable, ils se contredisent eux-mêmes. Au final, Dalaran est totalement reconstruite alors qu'elle avait été balayée par Archimonde, l'un des démons les plus puissants de la Légion Ardente. Et en plus de ça, maintenant, la cité, elle vole. Magiquement. Reconstruite et maintenant, elle vole. On n'a jamais vu ça dans Warcraft. Mais elle vole, alors elle vole, on sait pas trop comment, hein, magie, hein, un cœur magique, tout ça, qui permet de faire en sorte que Dalaran vole, mais pas juste vole de temps en temps, vole de manière infinie, en permanence. À chaque fois qu'on nous a présenté comme ça ce genre de magie, ça a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance magique. Il était d'ailleurs expliqué dans Warcraft 3 comment les nécropoles volaient, c'était justement parce que le roi Lich avait énormément de puissance et arrivait à faire voler les trucs. Là, on sait pas, en plus normalement la moitié des, enfin plus des 3/4 des mages les plus puissants d'Alaran avaient été tués à Warcraft 3, donc on sait pas vraiment comment la ville vole, mais elle vole, et en plus elle est capable de se téléporter d'un continent à un autre, puisqu'elle arrive en Northrend, en plein milieu du Northrend, plein milieu dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire au milieu du continent, au-dessus de la forêt de cristal, et la forêt des champs de cristal, et en plus de ça, elle est au milieu du territoire aérien des morts-vivants. Petit rappel, les morts-vivants, il y a quand même des Wyrms des Glaces, comme vous l'avez vu dans la cinématique d'intro, hein, c'était Syndragosa, la première femme, la première épouse de Maligos, on en reparlera de ce petit gars-là, et on a également donc des dragons bleus, on a également bien sûr les Wyrms des Glaces, et les gargouilles, qui sont des troupes à la base dans Warcraft 3, c'est du gameplay d'accord, mais de l'anti-aérien, spécialisé en anti-aérien. Dalaran spawn au milieu de tout ça et absolument aucun problème, aucune attaque du fléau et des troupes aériennes. Je sais pas, moi je suis le roi Lich, je vois un truc débarquer comme ça, je pense que ça fait une de mes priorités d'abattre ça, mais pas de problème. Et en fait on apprend que Dalaran n'est pas du tout là pour le roi Lich, absolument pas pour le roi Lich, ils sont là parce qu'il y a une nouvelle menace, à savoir Maligos, le dragon bleu, l'aspect de la magie, qui en fait eh bien, va peut-être menacer les races mortelles, car eh bien, ce dragon bleu a, on va dire, des griefs à l'égard des magiciens. On y revient juste après. Petit point aussi concernant Dalaran, hein, histoire que la connerie aille jusqu'au bout. Dalaran a toujours été pro-alliance. Dalaran fait partie de l'alliance même, de l'Ordéron. Et du coup, Dalaran, c'était d'ailleurs également des ennemis de la Horde à Vanilla. Maintenant, Dalaran se déclare neutre. Les magiciens du Kirin Tor ont probablement massacré des orques par paquet de 12, par paquet de 100 même, des trolls et des tauren, mais. Bah, tauren peut-être moins. Mais trolls et orques, ça c'est sûr, et des gobelins également, mais c'est pas grave, pas de problème. Finalement, Dalaran se déclare neutre alors qu'ils ont toujours été des fervents défenseurs de l'Alliance. Absolument aucun problème, tout va avec Dalaran. Donc, notre bon Maligos, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bien, Maligos, il est guéri de sa folie, hein, il avait commencé à sombrer dans le désespoir et dans la dépression suite au massacre du vol bleu par Deathwing Eldemort. On en reparlera dans la vidéo sur WoW Cataclysme, bien sûr, qui sera vraiment centrée sur Deathwing. Mais Maligos, bah, il a tout perdu, et j'en reparlerai aussi un petit peu dans le Jour du Dragon. Eh bien, Maligos, et la femme, encore une fois, que vous avez vu, enfin, le dragon que vous avez vu, c'était Syndragosa, donc sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu quasiment 70% de son vol, voire plus, donc il était pas bien. Pendant le Jour du Dragon, Alexstrasza, donc tout simplement l'aspect de la vie, va lui promettre, ils vont prendre tout simplement soin de lui au sens propre comme au figuré, et ils vont permettre à Maligos de rebâtir le vol bleu. On ne sait pas exactement, ça n'a jamais été vraiment dit, mais du coup, parce que sur le papier on pourrait dire qu'Alexstrasza, du coup c'est... Mais non, c'est la magie, mais en tout cas, eh bien, le vol bleu se reconstruit petit à petit, et ça va permettre également de soigner l'esprit mental de Maligos, qui petit à petit eh bien, se remet de ça. Et d'ailleurs, à la fin du Jour du Dragon, il est dit que le vol bleu commence à se reconstruire, et en plus Maligos a aidé contre Deathwing, donc Maligos semblait être plutôt une figure bonne plutôt que mauvaise.
Et donc on nous dit qui va mieux. Il y a également un livre qui est sorti pendant Burning Crusade qui s'appelle La Nuit du Dragon, où Maligos de nouveau aide les races mortelles. Donc on se dit, bon bah ça va, il est très sympa le petit Maligos. Eh bien non, parce qu'en fait, il pense que l'utilisation abusive de la magie par les races mortelles menace le monde de la Légion Ardente. Il y a potentiellement un retour de la Légion Ardente. Les événements, hein, on sait ce qui va se passer plus tard avec Légion notamment, eh bien il avait raison. Et d'ailleurs, les aspects sont d'accord avec Maligos à ce moment-là. Tout le monde a peur que l'utilisation abusive de la magie relance une invasion de la Légion Ardente. Sachant que on vient de sortir de Burning Crusade, donc la Légion s'est pris encore une fois un sacré coup sur la tête. Mais Maligos prévenant, là-dessus on se dit ok. Du coup, qu'est-ce que va faire Maligos? Eh bien en fait, Maligos, ce dragon guéri de sa folie, va redevenir fou, tout simplement, hein. Donc lui qui a une dette à l'égard des autres aspects, eh bien il va attaquer les races mortelles malgré que les aspects soient d'accord avec lui. Eh bien, il va pas attendre de prendre une décision, il va décider d'attaquer et de faire une utilisation déjà si abusive. Enfin, il veut contrer l'utilisation abusive de la magie, mais il va en faire quasiment le même, ce qui fait que ça va créer des ouvertures avec le vide, etc. Bon, c'est du grand nawak, mais au final Maligos, alors là c'est quand même incroyable, les aspects et Dalaran vont nous envoyer pour contrer justement l'invasion, les agressions de Maligos. Donc en gros, Dalaran se déclare ouvertement hostile à Maligos en plein territoire des morts-vivants, du fléau, en pleine attaque du fléau, au moment où le roi Lich est le plus puissant. Donc en gros, Dalaran devrait se faire casser la tronche et devrait se faire attaquer par les forces du fléau, donc les morts-vivants, également par le dragon bleu. Quand on voit ce que fait Deathwing, on en reparlera dans Cataclysme, mais quand on voit la puissance destructrice de Deathwing à Cataclysme, pourquoi Maligos il détruit pas Dalaran en fait? Alors certes il est moins puissant que Deathwing, mais c'est un aspect, il est tout à fait à même de détruire la cité volante. Et c'est l'aspect de la magie, hein. Il fait hop, et le moteur il marche plus, Dalaran ça tombe, hein. Donc c'est un petit peu étrange, mais il n'attaque pas Dalaran. La seule attaque de Dalaran dans le jeu par le vol bleu, c'est qu'ils essayent de libérer les prisons magiques de Dalaran. Hein. C'est pas vraiment sur les... Si vous avez un problème dans votre vie, faut pas vraiment appeler le dragon bleu parce que c'est pas vraiment la source la plus fiable d'aide. Hein. Mais du coup, ce qui est incroyable, c'est que les joueurs vont être... On va leur confier donc aux joueurs pas mal de missions. Et pour soigner quelqu'un qui va très mal dans sa vie, rien de mieux, tout simplement, que de tuer sa femme, sa nouvelle femme, à savoir Saragossa, qui est sa nouvelle femme avec laquelle il a un petit peu rebâti le vol bleu. Et on va la brûler devant ses yeux. Brûler la femme de quelqu'un devant ses yeux, ça aide énormément pour la santé mentale. C'est la meilleure des thérapies. Mais c'est pas fini. Les dragons rouges, donc le vol rouge, donc c'est-à-dire les protecteurs de la vie, vont nous confier la tâche de détruire les œufs du vol bleu. Donc les protecteurs de la vie veulent qu'on sabote leur propre travail qui avait été de permettre, faciliter on va dire l'éclosion du vol bleu, etc. On va massacrer aussi les enfants de Maligos, donc tout à fait pertinent. Grosse incohérence, Cataclysme montrera à l'Extraza comme elle est même pas prête à tuer, enfin en tout cas elle le fait à contre-cœur des œufs de dragon noir à Cataclysme. Tellement bah, elle peut être la protectrice de la vie, et même si elle sait que les petits dragonnets vont être corrompus, elle veut quand même les sauver. Mais à tel cas, pas de problème, on massacre les dragonnets bleus et on va détruire le vol bleu tout simplement. Donc Maligos eh bien, deviendra un méchant. Il va essayer dans le Nexus, qu'on appelle la guerre du Nexus, hein, il va essayer dans l'endroit en gros des dragons bleus. Il va essayer de résister et finalement il sera tué. Alexstrasza versera 2-3 larmes, mais pas grave. Maligos, l'un des personnages les plus emblématiques de l'univers de Warcraft, qui sera saboté comme ça, en même pas un patch, pas de problème, pas de souci pour l'aspect de la magie. Et il se fait tellement détruire dans l'histoire et par les artoirs, que les deux artoirs que je vous ai montrés sont tout simplement des artoirs de dragon bleu, mais ce n'est pas Maligos. Maligos est quasiment jamais représenté, donc c'est formidable. Attaquons maintenant avec d'autres choses qui se passent à Warsaw Lich King. Nous avons tout simplement Azjol Nerub, hein, Azjol Nerub qui est le grand bastion qu'on évoquera énormément dans la guerre de l'araignée. Azjol Nerub qui est le grand bastion des anciennes troupes de Yogg-Saron, donc l'un des dieux très anciens, donc ces espèces de créatures araignées, ce qu'on appelle les Nerubiens. Et on va avoir des assauts des Nerubiens un peu partout sur le continent, puisque Azjol Nerub c'est quasiment la moitié, voire les trois quarts du continent, mais en profondeur, donc pas à la surface mais dans la terre.
Et au final, eh bien, on va attaquer Ajol Nerub. Le problème, c'est qu'à la base, Ajol Nerub, il était prévu d'avoir une zone complète d'Ajol Nerub qui aurait été une des... Alors, c'est pas moi, hein, c'est les développeurs qui en parlent, et souvent, c'est d'ailleurs leur plus grand regret, c'est que Ajol Nerub n'ait pas pu sortir en jeu, et du coup, Ajol Nerub, ce sera que deux donjons. Mais Ajol Nerub, à la base, il y avait l'ambition d'en faire une des zones les plus grandes qui ait jamais existé dans World of Warcraft. Finalement, eh bien, à cause d'un manque de temps et d'un manque de moyens, eh bien, il a fallu rabattre les ressources qui étaient déployées pour Ajol Nerub pour Ulduar, et du coup, eh bien, on n'a pas eu Ajol Nerub, mais on a eu Ulduar. C'est un petit peu dommage, peut-être qu'un jour Ajol Nerub sera réutilisé sur une future extension. Moi je l'espère, parce qu'Ajol Nerub c'est une zone que je trouve extraordinaire. Et du coup, on a eu deux donjons, un où on affronte et on tue Anubarak, juste le bras droit d'Arthas, et on a, donc dans un donjon, et on a également un autre donjon où on va massacrer des Nérubiens qui essayent, qui sont fidèles. C'est des Nérubiens vivants qui nous envoient tuer des Nérubiens qui sont fidèles à Yogg-Saron. Donc voilà. Donc en plus, ça avait l'air intéressant cet arc, mais il aura été expédié en un donjon. Ensuite, parce qu'on parle de lieutenants, des lieutenants principaux d'Arthas, eh bien... Dans les Désolations du Dragon, donc on va dire à peu près le milieu du Northrend, la Horde et l'Alliance progressent et vont être arrêtés net par une nécropole, à savoir Naxxramas, la nécropole de Kel'Thuzad, l'autre bras droit d'Arthas. On va dire qu'Anubarak est le corps armé, Kel'Thuzad est le corps spirituel magique d'Arthas, hein, du roi Lich. Et au final, eh bien, Kel'Thuzad arrive avec Naxxramas et on va tout simplement réutiliser la Naxxramas de Vanilla qu'on va un petit peu remasteriser. On va reprendre quasiment tous les boss, sauf un, hein, Alexandros Mogren, donc le père de Dario Mogren, qui va être remplacé poste pour poste, hein, sorti du numéro 9 Alexandros Mogren, et on le remplace par un autre personnage que les joueurs avaient apprécié, notamment tué à Stratholme, à savoir le Baron Rivendell, donc Baron Vaifandre en français. Donc... Tous les mêmes personnages reviennent alors qu'on les avait tués à Vanilla, pas de problème, ils sont là, c'est des morts vivants, pas d'explication. Kel'Thuzad, au moins on a une explication. En fait, la Liche, si vous ne détruisez pas le phylactère, la Liche peut ressusciter. Les autres, pas de problème, Saphiron, il est de nouveau là, on le massacre, pas de problème. De toute façon, Saphiron, il a été remplacé poste pour poste par Syndragosa, qui est un Worm de glace, mais encore plus grand, donc bah, il sert à rien, donc on va tous les tuer. Ça, c'est quand même incroyable. Kel'Thuzad sera vaincu. Mais pas de phylactère détruit, donc il est toujours supposé en vie et ce sera canonisé avec Chronicles. Je vous laisse aller voir la vidéo sur Arthas. Ce qui est très drôle, c'est qu'en plus, il ne... Enfin, non, je vous laisse aller voir la vidéo sur Arthas, mais respect à Kel'Thuzad. Donc, le safari continue, Anubarak et Kel'Thuzad sont sortis comme ça, très facilement. Alors que, je rappelle quand même que Kel'Thuzad est probablement l'un des mages les plus puissants de l'univers d'Azeroth. Et Anubarak, c'était tout simplement le roi d'une civilisation qui était les protecteurs de Yogg-Saron, l'un des dieux très anciens les plus puissants de l'univers de Warcraft. It's ok, pas de problème, ces deux personnages-là sont expédiés. Et même à l'époque, alors que pourtant tout le monde salue l'histoire et le génie de Wrath of the Lich King, déjà à l'époque ça avait gueulé pour Anubarak, parce qu'il avait été expédié dans un donjon et les gens avaient dit « Non, c'est quand même un peu dégueulasse d'expédier comme ça Anubarak. » Et il y avait une petite grogne des joueurs. Blizzard les écoutera, on y reviendra après, ce sera formidable. Donc, les armées de l'Alliance et de l'Horde poussent tellement bien, la campagne se passe tellement bien, qu'ils vont eh bien, repousser les forces du fléau jusqu'à ce qu'on appelle la porte noire, ce qu'on appelle le portail du Kourou, le portail du Kourou ou Angratar. Et au final, je voulais quand même vous montrer avec ce visuel que Angratar, c'est un petit peu la porte noire hein, du Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu le Morannon. Et au final, j'en profite, et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de la sortie de Rise of the Witch King. Ça doit faire un petit peu écho à Rise of the Lich King. Si vous regardez un petit peu les bâtiments du fléau de Wrath of the Lich King, et vous allez me dire, oui, mais c'est parce que t'es un fanboy du Seigneur des Anneaux, blablabla, il n'y a aucun parallèle, tout ça, tout ça. Ça fait quand même vachement porte noire du Seigneur des Anneaux des films de Peter Jackson. Si vous allez dans la couronne de glace, on a des bâtiments du fléau et des nécropoles, avec notamment Akerus d'ailleurs, hein, avec un œil bleu. Et enfin, Icecrown qui ressemble tout simplement à un mélange entre Minas Morgul et Barad-dûr. On n'est plus vraiment dans l'inspiration, c'est un Mordor de glace au lieu d'un Mordor d'obscurité. Et il y a énormément de ressemblances avec Angmar de Rise of the Witch King. Voilà, c'est la petite parenthèse. Nous avons ensuite, donc pendant cette bataille de... Donc là, la Horde et l'Alliance vont même collaborer, vont même... On est encore une fois dans cet aspect de guerre froide, où du coup l'Alliance et l'Horde vont collaborer en union contre les forces du fléau.
Donc les forces de la Horde vont être menées non pas par Garrosh Hellscream qui est le grand général de toute l'offensive de la Horde, mais par tout simplement son, un de ses bras droits, à savoir Dranosh Sorfang ou Sorcrow, hein, ce qu'on appelle Sorcrow le jeune, Sorfang le jeune, le fils de Varrok Sorfang, qui va mener les assauts de la Horde. Et par du côté de l'Alliance, on a le généralissime, l'un des généralissimes plutôt, Bolvar Fordragon, qui eh bien dirige les troupes de l'Alliance. Alors je vais pas trop m'étendre et je montrerai pas la cinématique parce qu'il y a une vidéo sur Bolvar et il a pas grand chose, donc je lui mettrai sa cinématique dans cette vidéo là. Donc je vais passer un petit peu sur le côté, mais voilà, on a les armées qui sont dirigées par ces deux figures et ces deux figures vont être plutôt mises on va dire à mal par l'arrivée du roi Lich, puisque Bolvar va dire Arthas, sors de là, viens ici que je te bute, enfoiré. Et Arthas dit salaud et il sort de la porte et il va tout simplement eh bien à ce moment-là, il y a Dranosh qui, tel une légende, tel un héroïque orc, eh bien va charger et se faire littéralement one shot par Arthas, hein. Quelle charge héroïque de dans l'un des plus grands généraux orcs que la Horde ait jamais connu. Il se fait one shot par Arthas. Arthas récupère son âme. Et c'est à ce moment-là où Bolvar va s'élancer pour attaquer lui-même Arthas, même s'il a été un peu mis à mal en voyant que cette grosse brute d'orc vient de se faire défoncer. Et c'est ce moment qu'attendait tout simplement l'une des figures emblématiques des réprouvés, non pas du tout, hein, un personnage qu'on avait appris à connaître un petit peu à Burning Crusade, à savoir l'apothicaire putressin en français ou putresse en anglais, qui n'est même pas souvent très confondu. On croit que c'est le chef des apothicaires, ce n'est pas le chef des apothicaires, c'est l'un des grands apothicaires, mais ce n'est pas le chef. Le chef des apothicaires, c'est Pharanel. Jamais vraiment très utilisé, il a été utilisé à Vanilla. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lors de Vanilla, et même dans Burning Crusade, vous aviez, en tant que joueur fidèle de Sylvanas réprouvé, vous aviez amélioré de plus en plus la peste mort-vivante. Et bien voilà, on va utiliser cet arc-là. Ça, pour le coup, c'était très bien fait. On va réutiliser la peste qui avait été développée et améliorée par le joueur à Vanilla et Burning Crusade. Mais le truc, c'est que vous ne le saviez pas. Pharanel est toujours fidèle à Sylvanas, mais Putressin, lui, a trahi. Et au final, eh bien, ce n'est pas lui, la tête pensante. C'est This is Vary. C'est Vary Matras. Eh oui, on en reparlera juste après de Vary Matras. En tout cas, Putressin, c'est pareil, cette cinématique, je la mettrai, bah, comme je l'ai dit, avec la vidéo de Bolvar. Mais en tout cas, les réprouvés vont finalement trahir tout le monde. En tout cas, ce groupuscule de réprouvés, parce que tous les réprouvés n'obéissent pas, c'est une trahison envers Sylvanas de Putressin et de Varimatras, qui vont finalement eh bien, envoyer des chariots à viande et balancer toute la peste. Ce qui va tuer et les forces de l'Alliance, et les forces de la Horde, et également les forces du Fléau, puisque c'est une peste qui tue et les vivants et les morts vivants. Arthas va être gravement blessé et va repartir. Et ça va tout simplement tuer Bolvar Fordragon. La cinématique le montre en tout cas bien agonisant avec les yeux qui se ferment. Mais le truc c'est que en voyant tout ça et la peste pourrait s'étendre, eh bien les dragons rouges vont intervenir. Alors ce n'est pas Alexstrasza directement, c'est les dragons rouges tout court. Et les dragons rouges vont cramer la zone. Ils vont tout cramer et pour justement empêcher que la peste se répande. Donc tout le monde va mourir cramé. Putressin va s'échapper quand même avant de enfin il se fait pas cramer, lui il part. Quand les dragons arrivent, lui il se barre, il a tout compris. Mais la plupart des apothicaires qui ont trahi vont se faire brûler. Et Bolvar va être gravement brûlé. On en reparlera en fin de vidéo. Ce qui est sûr, c'est que du coup, eh bien, Putressin et Varimatras ont déclaré leur trahison aux yeux du monde. Et là, eh ben, on va pas être content. Alors Varimatras, tout était prévu, évidemment. Varimatras, le traître, bien entendu, qui à Warcraft 3 avait tué un de ses frères, Balnazar, pour montrer sa fidélité à l'égard de Sylvanas. Varimatras qui, j'ai refait toutes les quêtes réprouvées à Vanilla, et je peux vous affirmer que pour un traître, il est incroyablement fidèle et zélé dans le service de la reine Banshee. Mais c'était tellement bien vu, et du coup ce n'est pas un développement qui avait été prévu à Vanilla, c'est le comics Ashbringer, donc Porte Cendre, qui avait choisi de réutiliser Balnazar, puisque Balnazar, Vanilla avait fait l'erreur de remettre Balnazar, ce qui était complètement con, Balnazar avait été tué, et finalement ils se sont dit, mais attendez, si on faisait un plan génial, en fait on disait que Varimatras, il n'avait pas tué Balnazar et qu'en fait il trahissait depuis le début. Et en fait, si on disait que tout l'arc comme quoi Varimatras avait prouvé la loyauté et que lui-même avait des doutes et se disait qu'il ne pouvait pas tuer parce que c'était un code interdit chez les Netrezim de tuer un des leurs, et ben si on détruisait tout ça dans Warcraft 3, alors que c'était du coup un des seuls Netrezim qui allait obéir à des forces, on va dire, alliées, Sylvanas,
Bah si on détruisait tout ça pour dire qu'en fait c'était un plan depuis le début qui était prévu, et en fait tous les seigneurs de l'épouvante, eh bien ne sont pas, tous les seigneurs de l'épouvante ne sont pas morts, ça va être incroyable. Ce qui fait qu'on retconne totalement Warcraft 3 et ses enjeux avec notamment Sylvanas. Si vous avez joué à Warcraft 3, vous voyez bien que Varimathras, quand il tue Balnazar, il est pas vraiment très très content. Et lui-même ne fait pas de la comédie ou quoi que ce soit, ou pas du tout du théâtre. Dans Vanilla, il est jamais question de trahison de Varimathras. Donc c'est vraiment un délire qui s'est créé avec le succès de Balnazar et de la croisade d'argent, la croisade écarlate, pardon. Et du coup, au final, le comics de Ashbringer va retcon parfaitement ce qui s'est passé avec les Seigneurs de l'Épouvante. Et c'est grâce à ça que nous allons avoir plus tard Warlord of Draenor avec tous les démons qui ressuscitent. Magnifique création. Donc, revenons sur Sylvanas qui va... On considère, enfin, on a peur à ce moment-là que Sylvanas ait trahi la Horde et l'Alliance. Sylvanas, en fait, avait bien entendu été à la tête avec Varimathras d'améliorer la peste, tout simplement mort-vivante, anti-mort-vivante et anti-humain, enfin anti-vivant, pardon. Mais Sylvanas voulait l'utiliser contre Arthas et pas contre les propres troupes de la Horde ou de l'Alliance. Donc au final, elle avait prévu tout simplement d'utiliser la peste contre Arthas, mais pas à ce moment-là. Donc c'était bien elle qui était derrière l'amélioration de la peste, mais pas de cette manière. Et au final, eh bien, il va y avoir le siège de Undercity, donc de Fossoyeuse, par les troupes de la Horde et des troupes de l'Alliance. Donc oui, hein, vous avez bien entendu, hein, on est en pleine guerre contre le fléau, on a eu plein de pertes, et ben on rappelait, donc tout le travail qu'on avait fait d'avance a servi à rien, on repart tous, on plie bagage, et on fait le siège d'Undercity pour vaincre Putressin et Varimathras. Mais vous en faites pas, ils vont, tout le terrain qu'ils ont perdu, ils vont pouvoir le récupérer juste après. Hein. Bien entendu, nous sommes dans un MMO RPG. Du coup, en parlant de Seigneur de l'Effroi qui reste, retour. Si on parle d'une extension sur le Roi Lich, sur Arthas, etc., il fallait bien sûr ressusciter le Seigneur de l'Épouvante, probablement le plus connu avec Ticondrius. Il s'agit bien entendu de Mal'Ganis. Mal'Ganis qui, dans Warcraft 3, était le chef du fléau qui avait attaqué Lord Aeron. Eh bien, Mal'Ganis, donc Arthas, avait damné tout son peuple et tous ceux qu'il aimait pour pouvoir vaincre Mal'Ganis. En fait, ça a servi à rien. Tout ce qu'il a fait, tous ses sacrifices n'ont servi à rien. Mal'Ganis est de nouveau là pour remplacer poste pour poste. Encore une fois, un remplacement qui s'avère payant dans ce match de Wrath of the Lich King. Mal'Ganis qui remplace poste pour poste Balnazar qui était le chef de la croisade écarlate. Et bien en fait, l'assaut écarlate, c'était Mal'Ganis qui était derrière tout ça. Mais vous allez me dire, mais l'assaut écarlate a été massacré par les forces réprouvées. Mais si Varimathras avait tout prévu, pourquoi il n'a pas prévenu Mal'Ganis de ce moment-là? Pas grave, hein, ils travaillent ensemble, mais pas tout à fait apparemment. Et pourquoi du coup, eh bien, Varimathras dans Vanilla a eu un tel zèle à tuer la croisade écarlate? Ils travaillent ensemble, mais pas tout à fait. Du coup, on massacre tout, on détruit Balnazar, on montre que Balnazar était à la tête de la croisade écarlate. Ah, Varimathras, il faut pas l'emmerder, hein. Visiblement, dans le berceau, ils s'entendaient pas les deux. Du coup, Mal'Ganis revient. Et il va se prendre, il va posséder l'amiral de la croisade écarlate, à savoir l'amiral Westwind ou Ponvent. Et lorsque la croisade écarlate se fait massacrer à la désolation du dragon par, la désolation des dragons par les troupes réprouvées, eh bien en fait, il va d'un coup, alors que quasiment tout l'effectif a été tué, avec les survivants, eh bien il va repartir au nord de Wrath of the Lich King, enfin au nord de la, du continent, pardon, de Northrend, donc au nord de la zone de Wrath of the Lich King jouable. Et en fait, eh bien, en l'espace de même pas quelques mois, parce que je rappelle que Wrath of the Lich King dure un an, donc on va dire que l'assaut dure à peu près, allez, on commence à 3 mois, on va être gentil, ça veut dire que le mec, il a eu peut-être moins de 6 mois, allez, 6 mois, 9 mois, pour reconstruire tout un fortin, tout un château, toute une installation énorme de l'assaut écarlate. Pas de problème, parce qu'il veut se venger d'Arthas. Au final, on va le tuer. Et à la fin, il fait ha 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 ha, et il s'en va dans le néant distordu en disant je reviendrai et j'exercerai ma vengeance. Mal'Ganis a été ressuscité pour rien faire, puisque Mal'Ganis, même l'extension qui concerne la Légion Ardente, eh bien Mal'Ganis sera présent au Rivage Brisé, mais ne fera rien d'autre, il ne fera rien de plus, il sera totalement inutile. Donc on a détruit un pan de Warcraft 3, on a détruit le sacrifice d'Arthas pour ramener Mal'Ganis pour ne rien en faire. Félicitations, magnifique retour de Mal'Ganis. Parlons de résurrections qui ont beaucoup servi l'univers de Warcraft, de World of Warcraft. Nous avons un autre nain
une autre personne pardon, qui va être ressuscitée. Il s'agit de Muradin Bronzebeard ou Muradin Barbe de Bronze. Et au final, eh bien Muradin... Alors ce qui est très drôle, c'est que les Rez, d'ailleurs, sont des blagues dans Heroes of the Storm. Mal'Ganis dit lui-même que oh, bah, il était là au rivage brisé, mais j'ai servi à rien. Muradin dit exactement la même chose en mode oh, j'étais mort, mais les fans de Warcraft m'aimaient tellement qu'il fallait me ressusciter. Nous sommes sur l'extension qui reparle du roi Lich d'Arthas et du Northrend. Il fallait bien sûr faire revenir Muradin. On nous avait montré visuellement qu'il était mort. Arthas nous disait qu'il avait été tué. Le livre qui préparait justement l'ascension du roi Lich, donc le livre qui préparait, ne dit absolument pas qu'en fait Muradin est juste blessé et aurait pu nous dire oui, en fait Muradin va être vivant. Donc même ça, et Redcon, donc même le bouquin qui prépare Sage King est Redcon par le jeu. Du coup, puisque encore une fois dans Frozen Throne, il y avait les survivants, donc les nains de Muradin, les survivants qui avaient échappé à Arthas, qui hein, veulent venger Muradin, mais ils ont même pas pensé à aller voir si le mec était encore vivant. Du coup, tout le monde nous il y a très peu de personnes où on nous dit à tel point il est mort. Hein. Il y a eu au moins 3 sources, voire 4 qui nous disent il est mort, mais pas du tout. À Wrath of the King, en fait, il s'est fait transpercer de plein de stalactites, mais en fait, oh là là, il a juste été amnésique et il a été retrouvé errant dans la neige, amnésique. Donc c'est le nouveau Jason Bourne, Muradin Bourne, et il va être sauvé par les nains de Givre, donc des cousins des nains, mais de Northrend, du continent de Northrend. Et ces nains vont prendre soin de Muradin, ils vont prendre tellement soin, ils vont tellement être impressionnés du génie de Muradin, de sa force et de son courage, que Muradin deviendra le roi des nains de Givre. Il sait très très bien, là c'est une grande réussite culturelle, hein, on l'a bien accueilli, il est carrément devenu le roi des nains de Givre. Et au final, eh bien, à la fin, il va récupérer la mémoire, il va se rendre compte de qui il est vraiment, Muradin Bronzebeard. Et la fin sera mais d'un ridicule absolument incroyable. En l'espace d'une seconde en fait, Magni et les deux frères de Muradin, donc Magni Bronzebeard, le roi des nains, et nous avons donc Bran Bronzebeard, l'explorateur, qui vont revenir et qui vont dire « Oh là là, Muradin, t'es pas mort, c'est incroyable, ça fait tellement plaisir de te voir. » On sait que les nains, ils adorent la bouteille, ils adorent la bière, mais là, eh bien Magni dit « Bon, allez !» Bonne chance contre Arthas, moi j'ai un peuple à diriger, donc eh ben, je suis arrivé en 2 secondes pour te dire bonjour, pas de problème, je repars aussitôt sec à Ironforge, on a besoin de moi. Et Bran, lui qui reste là, on pourrait se dire bon bah au moins il va fêter le retour de Muradin, ils étaient quand même assez tristes qu'il soit mort. Bah non, il va se barrer, il va reprendre ses explorations, donc incroyable. Muradin servira à la fin lors de l'assaut de la citadelle, on en reparlera, la citadelle de la couronne de glace, on en reparlera en fin de vidéo, et sinon il ne servira plus jamais au récit de World of Warcraft. Il va remplacer poste pour poste Magni en tant que chef des Bronzebeard, mais il ne servira plus à rien dans le récit. Incroyable résurrection qui encore une fois détruit tous les enjeux et toute l'histoire qui avait été créée par Warcraft 3. Le patch, on parlait de Bran, et bien Bran Bronzebeard, le frère de Muradin, et bien va tout simplement tomber sur les ruines d'Ulduar, donc un complexe titanesque. Où dedans, eh bien, il y a des gardiens qui veillent sur le bon ordonnancement d'Azeroth et qui luttent contre les dieux très anciens et de la corruption du vide sur le monde. Donc c'est Ulduar, un donjon qui aura plu énormément aux joueurs. Et au final, alors je vais pas vous mettre la cinématique parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, donc je veux pas que la vidéo soit trop longue, elle risque déjà d'être longue, mais je veux pas qu'elle le soit encore plus. Donc Magni s'est cassé, Bran est tellement content de revoir Muradin qui tombe, qui va explorer Ulduar, et il va tomber tout simplement sur un sombre secret, à savoir le fait que Yogg-Saron, l'un des 4 dieux très anciens, eh bien, est emprisonné et il commence petit à petit à se libérer de sa prison. Hein, c'est pas quelque chose qui date d'hier, hein, ça a commencé déjà sur plusieurs... Un des gardiens, Loken, donc qui est tout simplement Loki, mais à qui on a rajouté Loken, enfin N, donc Loken, qui en fait eh bien, a trahi, hein, comme Loki dans la mythologie scandinave, ses frères et sœurs, et il est responsable d'ailleurs de la mort de l'un d'entre eux, devinez lequel. Et au final, eh bien, Loken est tombé sous le joug de Yogg-Saron, et il va falloir détruire la menace que représente Yogg-Saron. Ce qui est magnifique, c'est qu'on est en pleine campagne contre le fléau. Alors, est-ce qu'il y a un armistice qui a été signé à Arthas? On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde plie bagage. L'Horde et l'Alliance, c'est de nouveau la prise d'hostilité, on se refoue sur la tronche, il y a de nouveau des conflits Horde d'Alliance à cause de la Porte du Courroux, où l'Alliance considère que c'est la Horde qui est responsable. La Horde, du coup, se défend contre les attaques de l'Alliance. Et au final, eh bien, on arrête d'attaquer le fléau,
pour s'attaquer soit mutuellement, soit attaquer la menace de Yogg-Saron. Alors Yogg-Saron, bien sûr, c'est un dieu très ancien, il menace le monde entier, mais Yogg-Saron, il est toujours enfermé. Même s'il commence petit à petit à se libérer, c'est pas encore urgent. Je veux dire, dans l'escalade, dans la hiérarchie des urgences, le fait qu'il y a un roi Lich qui menace tout le monde et qui envoie des troupes jour et nuit vous attaquer, c'est peut-être plus urgent à mater que Yogg-Saron. Non, pas de problème, on va s'occuper de Yogg-Saron. Victoire des champions, victoire de la coalition Horde Alliance contre Yogg-Saron et tous les sbires des gardiens, donc des sbires de Loken, qui sont tombés sous le contrôle de Yogg-Saron. Victoire incroyable. Je sais, là, je passe un peu très vite Ulduar et Loken, tout simplement parce que je ferai une vidéo sur les terrestres avec la généalogie des nains, et je ferai également l'ordonnancement. La prochaine vidéo de Cosmogonie, ce sera sur tout simplement l'ordonnancement du monde d'Azeroth avec le rôle des gardiens et notamment de Loken. Donc voilà, on fera ça sur une autre vidéo, ça me permet d'économiser un peu de temps parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à dire. Le patch d'après, la 3.2, l'appel de la croisade, cette fameuse croisade d'argent qui tout simplement donc sont les anciens paladins de la main d'argent, la croisade d'argent qu'on avait vu lors du scénario des chevaliers de la mort au début, et bien Tyrion qui est le généralissime, encore un, le généralissime du coup de la main, de les anciens de la main d'argent, donc l'aube d'argent, et bien va choisir de... Il est temps d'attaquer la forteresse du roi Lich, mais le problème c'est de savoir qui va attaquer la citadelle. Plutôt que d'envoyer toutes les troupes, eh bien on va décider d'un coup comme ça d'organiser un tournoi. Organiser un tournoi alors que c'est la grande guerre et que vous êtes censé affronter l'un des mâles les plus dangereux qui existe dans le monde. Ce qui a fait que par le passé, des nagas se soient liés avec des elfes de sang, qui se soient alliés avec des démons pour affronter les morts vivants. Et bien là, on va organiser un tournoi en pleine guerre, et pas n'importe où, on va le faire au pied de la citadelle, de ce qui représente le mal absolu à ce moment-là, donc le seigneur noir, hein, à savoir le roi Lich. Et bien on va organiser un tournoi au pied de la montagne, pour tout simplement savoir qui aura le plaisir de rentrer les premiers pour aller se friter sur la tronche avec le roi Lich. C'est quand même incroyable, au pied de la citadelle de la couronne de glace, au pied du QG du fléau. Alors je sais, bien entendu, au départ c'était pas prévu d'être là, le tournoi était prévu hein, par contre, hein, cette connerie reste prévue. Mais à la base elle devait pas se trouver ici, elle devait se trouver dans la forêt du champ de cristal. Le truc c'était sous Dalaran, donc ça laguait trop, donc il a fallu l'envoyer dans une zone où ça laguait pas. Où est-ce que ça laguait pas? Tout au nord de la couronne d'argent, enfin tout au nord de Icecrown, et au nord d'Icecrown, eh bien donc c'est-à-dire juste à côté de la citadelle d'Icecrown, donc de la citadelle tout simplement de Arthas et du roi Lich. Ce qui est formidable, il y a un problème avec ce tournoi. Déjà, on va commencer. À quel moment Tyrion, en pleine guerre hors d'alliance, parce que là ça a repris hein, les hostilités, même Chronicles je le dis, les hostilités hors d'alliance reprennent. À quel moment Tyrion, il arrive et dit arrêtez de vous battre, on va organiser un tournoi. Nous sommes en pleine guerre. Est-ce que vous savez ce qu'est un tournoi, mesdames et messieurs? Un tournoi, c'est pendant les zones, c'est pendant les temps de paix, justement, pour éviter que les chevaliers ils se mettent à piller des villes de fermiers, etc., piller des villages. On organise des tournois pour que des simulations de guerre, qui sont pas du tout de la guerre, parce que c'est très chorégraphié, on va dire, c'est plus de la guerre très gentille, c'est absolument pas de la guerre même, donc c'est très gentillé et c'est festif, tout ça, tout ça. Mais là, c'est probablement la guerre la plus dangereuse et la plus puissante que les troupes de la Horde et de l'Alliance aient jamais connue. Depuis la bataille du Mont Ijal. Donc, on organise un tournoi en pleine guerre, ce qui n'a aucun sens puisque les tournois s'organisent en temps de paix, en simulacre de guerre, pour occuper les troupes. Là, les troupes, elles sont plutôt occupées, elles affrontent un mâle qui ne dort jamais et qui attaque le jour comme la nuit et qui ne mange pas, qui ne se repose pas. On fait un tournoi. En plus de ça, au pied, donc imaginez, je sais pas, le Seigneur des Anneaux, une seconde, vous savez la bataille de la dernière alliance, le moment où Isildur peut jeter l'anneau dans les flammes du destin, on voit au début l'ultime alliance entre les hommes et les elfes qui affrontent Sauron directement. Imaginez que quand Sauron il arrive, les mecs font, attends, on va organiser un tournoi. Qui va attaquer Sauron en premier? Eh ben on va faire un petit tournoi, les orques, attendez, reculez un petit peu, allez on organise un petit tournoi, allez c'est parti. Et en plus de ça, ce qui est incroyable, c'est qu'avec ce tournoi là, on a quand même des alors, les tournois, ça fait très humain, bien sûr, ça fait très alliance. Humain, elfe, même les nains, à la limite, pourquoi pas, les gnomes, allez, bon, allez, on est gentil. Mais à quel moment des orques, des trolls, des taurennes vont participer à ce genre de mascarade? À quel moment ils se disent, oh là là, bah un tournoi, ils savent même pas ce que c'est un tournoi. Et les mecs font un tournoi, incroyable, en plein temps de guerre contre le fléau, et même entre alliance et horde,
on fait un tournoi, histoire, on a un peu trop d'énergie à revendre, on fait un tournoi. C'est extraordinaire, c'est formidable, tout va bien avec cette extension. Elle sera déjà, elle sera tellement, en plus, c'est souvent un patch qui est très très mal aimé parce qu'il y a eu énorme, malgré tout, il y a eu quand même beaucoup de lag et beaucoup de problèmes. Et pour le clou du spectacle, on va quand même dire qu'Arthas, parce qu'il regarde le tournoi et il fait rien le mec, donc on va quand même à la fin du tournoi envoyer des troupes, et Anubarak avait eu un traitement catastrophique, et bien pourquoi pas, on le mettrait la cerise sur le gâteau, on enverrait Anubarak dans un raid se faire massacrer par les troupes qui étaient censées stationner ici, qui étaient censées faire un tournoi. Formidable le traitement de ce patch. Attaquons maintenant, juste avant l'assaut de la citadelle de la couronne de glace, attaquons tout simplement une quête que peu de joueurs connaissent et pourtant qui est ultra importante pour comprendre la fin de Wrath of the Lich King, à savoir la quête du Gambit de Tyrion, donc le pari de Tyrion, qui est tout simplement un hommage. C'est là que vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé du fait que Pirates des Caraïbes était sorti 2 ans avant Wrath of the Lich King, Pirates des Caraïbes 2 pour être exact. Et 1 an d'ailleurs avant, était sorti le dernier chapitre, le 3e des Pirates des Caraïbes, pour clôturer l'arc David Jones, tout ça, tout ça. Eh bien, 2 ans après, on a donc l'esprit de Mathias Lehner, donc la part humaine qu'Arthas, je vous avais dit au début de la vidéo, qu'il avait tué dans le bouquin L'Ascension du Roi Lich. Eh bien en fait, ce petit gars-là, il est encore là, alors qu'il avait été tué, et il va présenter un petit peu ce qui se passe et dire aux joueurs, eh bien en fait voilà, Arthas, malgré qu'il ait tué sa partie humaine, à savoir Mathias Lehner, je suis toujours là, donc il m'a tué, mais en fait je suis là, et comme il a tué sa part humaine, eh bien il a encore des sentiments. Et oui, malgré qu'il ait tué sa partie humaine, il a encore des sentiments. Le mec est mort vivant, roi Lich, il a tué sa part humaine, donc tous les sentiments, etc. Ça suffit pas, il faut qu'il tue encore sa part humaine alors qu'il a déjà tué. Mais c'est pas Mathias Lehner cette fois qui tue, c'est son propre cœur. Il s'enlève son propre cœur alors que c'est un putain de mort-vivant, et il va l'enfermer parce qu'il considère que c'est les sentiments. Bien sûr, c'est le cœur, hein, c'est formidable. C'est le cœur et pas la tête, hein, qui montre qu'il y a des sentiments. Du coup, il va enlever ce cœur et il va l'enfermer dans un coffre, évidemment. Et ce cœur, eh bien, qui est censé représenter les sentiments, et il va l'enfermer quelque part. Et on va le retrouver grâce à l'intervention du petit gars qu'il était censé avoir tué, donc Mathias Lehner. Et c'est Tyrion qui va se dire que c'est peut-être quelque chose à tenter, à savoir eh bien, de s'emparer du cœur d'Arthas pour potentiellement eh bien, le battre. Il va finalement, au cours de séquences incroyablement intéressantes, ironie bien sûr, il va réussir à finalement aller dans une cathédrale avec une espèce d'église impie du roi Lich, où il y a des orques, tout ça, tout ça. Et finalement, eh bien, il va choper le coffre, il va choper le cœur, et il va mettre un petit coup d'ouvre-bouteille dedans, donc un petit coup d'Ashbringer qui va détruire le cœur. Et dans l'histoire de David Jones, quand tu casses le cœur, ça tue David Jones. Et du coup, tu remplaces donc le Hollandais volant, tu remplaces le capitaine du Hollandais volant par un nouveau. Donc Tyrion qui tue Arthas, le cœur, tout ça, tout ça. Alors ça ne tue pas du tout Arthas, hein. Arthas, il a... C'est comme s'il avait mangé chinois, il a un problème de bide, hein, il se met à genoux, mais finalement, tout le monde est obligé de fuir, parce que malgré qu'il soit fragilisé, il peut tous nous tuer malgré tout. On s'en va, on fuit, et finalement, on a tué le cœur d'Arthas, mais ça n'a pas suffi. Oh, quelle terrible désillusion. Gardez ça encore une fois à l'esprit, hein, il faut toujours un Hollandais volant, le capitaine du Hollandais volant, tout ça, David Jones, gardez-le encore à l'esprit, c'est pas fini. Nous allons donc également infiltrer la citadelle de la couronne de glace. Du côté de l'Alliance, c'est grâce à Jaina. Du côté de la Horde, c'est grâce à Sylvanas. Deux personnages qui sont liés avec l'histoire d'Arthas et du roi Lich. Donc, Sylvanas pour sa vengeance, Jaina parce que c'était l'amour de sa vie. On va arriver dans un endroit qui est tout simplement la salle des reflets. La salle des reflets, c'est tout simplement une copie de la... Tout à fait... Enfin, là-dessus, il n'y a pas de critique. Hein. C'est une reprise, tout simplement, d'un endroit très connu. C'est l'endroit où Arthas a tué son père, Terenas, Menethil, le roi de Lordaeron. Et c'était l'endroit, en fait, du trône, la salle du trône, qu'Arthas a fait refaire dans la citadelle de la couronne de glace par hommage. Hein. Il a, par 2 fois, massacré les sentiments, mais visiblement, il y en a encore assez pour refaire la salle des reflets à l'image de l'ancienne salle du trône du roi de Lordaeron, ce qu'il est censé être devenu. Apparemment, il a encore des sentiments. Donc,
On y a... Et au passage, il pose Frostmourne, donc son épée, l'extension de son armure, l'extension de sa volonté, il la pose sur leur atelier qui est devenu la salle des reflets, donc loin de lui. Après, c'était peut-être une embuscade, hein, pour ça qu'il l'a peut-être posé Frostmourne. On y affronte les ex-capitaines, les anciens bras droits d'Arthas en vivant, à savoir les anciens capitaines Falric et Marwyn. Ce qui nous montre que justement, eh bien, le manga justement sur Chevalier de la Mort n'est pas canon. Puisque ce n'est pas Tassarian. Tassarian, le manga dit que c'est Tassarian le capitaine, alors qu'en fait, visiblement, ce n'était pas le capitaine. Et on doit, eh bien, à ce moment-là, Arthas arrive et il va falloir le fuir. Juste avant, on a quand même eu notre cher Uther, un esprit qui s'est montré. On a Uther Lightbringer, donc Uther, le porteur de lumière, qui se présente sous forme fantomatique. Il s'échappe, en fait, de Frostmourne et il nous dit... Il va nous expliquer que le roi Lich ne peut être vaincu qu'au sommet de la couronne de glace. Il ne peut pas être vaincu ailleurs. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle un truc. David Jones qui ne peut pas être, qui ne peut pas aller de l'eau, machin, tout ça. C'est marrant, ça me rappelle un truc. Et au fait, pendant la campagne, pendant le début du scénario des DK, il peut pas rentrer dans une terre consacrée, tout ça. Ça me rappelle encore une fois un peu un film, hein, je me demande lequel. Et du coup, ça c'est quand même le format incroyable, c'est qu'il doit toujours y avoir un roi Lich. Sinon, le fléau déferle sur le monde. Donc Uther est en train de nous expliquer que Arthas est en fait en train de retenir, malgré qu'il ait plus de sentiments, qu'il ait tué sa partie humaine, qu'il ait enlevé son cœur pour ne plus avoir de sentiments, eh bien en fait il retient son bras et il n'envoie pas toute la pleine puissance du fléau contre le monde. Et en fait, eh bien, il retient son bras depuis le début, malgré le cœur, malgré les nerfs, tout ça, en fait, il a encore des sentiments. Et ce qui est formidable, c'est surtout qu'on nous dise donc ça, et qu'en plus, il y a toujours besoin d'avoir un roi Lich. Alors, je rappelle que le roi Lich, pour l'histoire de Warcraft, c'est assez récent. Hein. On en reparlera un petit peu dans la guerre de l'araignée, et j'en ai déjà parlé dans les histoires de Warcraft 3. Au final, le roi Lich, ça a à peine 20 ans dans l'histoire de Warcraft. Et avant, le monde se portait très bien, il n'y avait absolument pas de roi Lich. Le premier roi Lich, c'est Ner'zhul. On est quand même dans une extension qui nous dit qu'il faut toujours avoir un roi Lich, alors qu'il y a 20 ans, il n'y en avait pas de roi Lich. Et ça voudrait dire que Ner'zhul ait retenu son bras. Et ça veut dire aussi que Arthas maintenant retient son bras, alors qu'il a tué la partie Ner'zhul, et il a tué deux fois ses sentiments et sa partie humaine. C'est formidable. C'est absolument formidable. Une écriture exceptionnelle, et c'est pas fini. Du coup... Nous allons avoir le patch de la 3.3, à savoir la chute du roi Lich et l'assaut du verdict descendant. Alors c'est quoi l'assaut du verdict descendant? C'est l'union de la croisade d'argent et de la lame d'ébène. Tyrion mène de nouveau l'assaut justement contre le roi Lich. Tyrion est présent partout depuis le début contre la lutte du roi Lich. Il a transpercé le cœur. David Jones est censé ce qui fait que tu deviens le capitaine du Hollandais volant. Il faut toujours un Hollandais volant pour tenir le Hollandais volant. Il faut toujours un roi Lich pour pouvoir tenir le fléau, tout ça, tout ça. Un schéma se dessine. Je me demande quel schéma. Donc pendant ce temps, la guéguerre Alliance Horde continue et reprend de plus belle. Pendant l'assaut contre le roi Lich, quel meilleur moyen que de se refoutre sur la tronche. Mais bon, ça c'est tout à fait cohérent avec la stupidité humaine et orc, donc c'est absolument un pas de problème. Finalement, donc, il va y avoir de l'embrouille entre la Horde et l'Alliance, qui fait que la Horde va avoir un boss personnalisé, Muradin. L'Alliance va avoir un boss personnalisé lors de l'assaut des canonnières, à savoir Varrok Sorfang, hein, le père de Dranoche, qui a vu son fils, le chef des tout simplement des Corcons, donc la garde suprême de Thrall, se faire tuer. Dranoche était le chef. Du coup, papa prend temporairement le commandement des Corcons et eh bien, ils vont se livrer sur la tronche. Et du coup, chacun va avoir un boss différent en fonction de votre faction, le Sacro-Saint, Axe de Symétrie. On pourrait d'ailleurs se dire que, vu que Dranoche a été tué et était le mec à abattre pour la Horde, peut-être que l'Axe de Symétrie aurait été qu'en fait, du côté de l'Alliance, ce soit Bolvar. Mais on y reviendra après. On apprend finalement du coup que Bolvar n'est pas mort, contrairement à ce qu'on avait vu à Angrathar. On vient de voir Dranoche devenir un chevalier de la mort, on aurait pu avoir du coup Bolvar en chevalier de la mort. Eh bien non, le mec qui est mort de la peste des réprouvés, puis qui ensuite s'est fait cramer la gueule par des dragons rouges, qui n'est pas l'Extraza, je le rappelle, mais des simples dragons rouges, eh bien en fait il est vivant, parce que le feu des dragons, ça conserve. C'est une nouveauté sortie du chapeau scénaristique incroyable. Alors... On connaît des personnages qui se sont fait cramer la gueule par des dragons, ils n'ont pas été très très bien conservés. On a Nekros, le bras droit, on a Nekros tout simplement qui était le bras droit de...
Mince, j'ai un trou. Le chef, tout simplement, le bras droit du chef du clan Dragon Maw, donc Gueule de Dragon, c'était Zulued, le chef, et du coup Necros est le bras droit. Necros, il s'est fait vaporiser, hein, quand... et c'était Alexstrasza elle-même, hein, et ça n'a pas fait des petites pâquerettes, hein, celle-là complètement vaporisée. Et l'autre figure très connue et qui reviendra à BFA, c'est tout simplement des cultiraciens qui se sont fait cramer la gueule lors de la deuxième guerre, donc Warcraft 2. Toute une flotte cultiracienne s'est fait cramer la tronche par des dragons. Malheureusement, les bateaux ont sombré et tout le monde est mort. Hein. L'un des frères de Jaina, Derek Port-Vaillant, donc Derek Prodmore, il s'est fait cramer et il est mort. Alors lui, son corps était encore, son corps était là, mais il était mort. Hein. Il n'a pas été conservé ou quoi que ce soit. Il a fallu le ressusciter par les Valkyres et du coup, il a fallu le ressusciter par nécromancie. Hein. Il n'a pas été conservé. Donc tous les cas et tous les autres de l'équipage, ils ont été soit vaporisés, soit mort-noyés. Hein. Il n'y a pas eu de conservation par le feu des dragons. Donc Bolvar était incroyablement puissant, c'est fantastique. Arthas, en fait, en montant de plus en plus la citadelle de la couronne de glace, en fait, on se rend compte qu'Arthas, donc on apprend que Bolvar est vivant, et on apprend qu'Arthas veut faire de Bolvar l'un de ses champions, parce que bah, la lumière est très puissante en lui, il est très fort, tout ça, tout ça. Et la lumière est tellement puissante en lui qu'Arthas devient très très con, et alors il l'était déjà, mais il le devient encore plus. Parce qu'en fait, Arthas essaye d'interroger, essaye de faire plier la volonté de Bolvar à ses yeux. Je rappelle que là, il se retrouve du coup au sommet de la citadelle de la couronne de glace, donc l'endroit, le centre névralgique du pouvoir nécromantique du roi Lich, et il n'est pas foutu de plier la lumière, il n'est pas foutu de plier Bolvar. Alors d'ailleurs, on fera une vidéo sur Bolvar, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais j'étais obligé dans cette vidéo d'en parler parce que il va... Tout simplement, alors Arthas pourrait le tuer et le ressusciter pour en faire un chevalier de la mort comme il a fait avec tout le monde, et il a buté des êtres bien plus puissants comme Saphiron par exemple, et il les a ramenés en tant que Wyrm des Glaces par exemple. Syndragosa, il a fait la même, mais il est incapable de mettre Frostmourne dans le ventre de Bolvar, le tuer définitivement et de le ramener en tant que chevalier de la mort. Non, il peut faire avec tout le monde, avec Sylvanas, il l'a fait avec plein de monde, mais il est incapable de le faire avec Bolvar. Parce qu'il n'y a pas pensé, hein, tout simplement. Alors au lieu de ça, il essaye de le battre mentalement pour essayer de le torturer, pour essayer de l'avoir. Et en fait, eh bien, la lumière est tellement puissante en lui qu'il résiste à la torture. Alors que, encore une fois, Arthas n'a pas besoin de le torturer, il a juste à le tuer et le ressusciter. Hein. C'est incroyable. C'est vraiment, on dirait vraiment l'écriture de Star Wars 7, 8 et 9. C'est fabuleux. Donc, à ce moment-là, eh bien, on va combattre Arthas. Donc les champions hein, qui ont gagné lors du tournoi d'argent la grande chance de pouvoir aller affronter Arthas directement. Eh bien, on affronte Arthas. Tyrion qui nous accompagne depuis le début et qui, par sa destinée, doit affronter Arthas et geler sur place par les pouvoirs d'Arthas. C'est bien entendu un outil scénaristique, un outil de gameplay pardon, pour nous, pas que ce soit Tyrion qui gagne le combat, mais pour que ce soit nous les joueurs qui l'affrontions. Ce qui est bien, c'est que dans Chronicles, du coup, vu qu'ils canonisent les éléments, ils auraient pu dire qu'en fait Tyrion il a jamais été gelé et que c'est lui qui bat Arthas. Mais non, donc il est bien enfermé dans un bloc de glace. Et en fait, on apprend le plan qui était là depuis le début concernant Arthas. C'est-à-dire qu'en fait, il a sacrifié des milliers, voire des millions de troupes, ses plus grands généraux, à savoir Kel'Thuzad, Anubarak, Saphiron et tout le monde. Donc il a perdu Dranosh. Dans le combat, on a affronté Syndragosa. Syndragosa est morte. On a perdu tous ces grands généraux là, mais pour uniquement en fait permettre de trouver les meilleurs sbires des combattants qu'il va pouvoir ressusciter maintenant qu'il les a tués, parce que Arthas va tuer les joueurs, il va vouloir les ressusciter en tant que chevalier de la mort en gros, qui je le rappelle sont déjà censés être l'élite des troupes du fléau. Voilà, c'était ça le plan en fait depuis le début d'Arthas. Inutile de dire que c'est un plan de méchant de série B, et en fait il veut transformer donc ses champions en chevaliers de la mort pour pouvoir en fait derrière transformer le monde, plier le monde à sa volonté et du coup en fait dominer le monde où il n'y aurait plus que des morts vivants qui pourraient du coup à ce moment-là résister aux dieux très anciens, puisque les dieux très anciens ne peuvent pas contrôler directement des morts vivants. Donc c'était ça le plan initial de Arthas. Au final, donc comme je le disais, il a sacrifié des millions de troupes, ses plus grands généraux, tout ça, pour ramener une poignée de mecs qui seront son élite de combattants. Alors qu'il est déjà censé avoir lancé l'élite de l'élite de l'élite de chez l'élite du fléau, mais pas de problème, c'est pas grave. Et au passage, dans War Surge King, il a eu au moins 5 occasions de tuer le personnage joueur, et je dis bien au moins 5, parce que des fois il apparaît sous en esprit, on n'est pas trop sûr, mais il a eu au moins 5 fois la possibilité de tuer le joueur, mais... Concernant cette possibilité-là, il dit à chaque fois
c'est trop tôt encore pour pouvoir te tuer, tu n'es pas encore prêt, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est exceptionnel. Du coup, finalement, Tyrion va réussir à se libérer pendant que les joueurs sont morts. Tyrion va réussir à se libérer du bloc de glace et il va tout simplement enfin commencer le duel qui est tout simplement teasé depuis le début de l'extension, voire le comics Ashbringer, voire même le roman, puisque dans le roman, ils ont inséré un petit truc, c'est l'idée qu'en fait, comme Frostmourne, elle aurait une lame jumelle, à savoir Ashbringer, donc porte-cendre, qui serait en fait une lame qui a été conçue pour pouvoir vaincre, pour pouvoir détruire l'épée du roi Lich. Le truc, c'est que l'épée du roi Lich, elle a été fabriquée par la Légion Ardente. Alors, on verra dans Shadowlands, apparemment, la Légion Ardente n'est pas seule responsable de la création de l'armure du roi Lich et notamment Frostmourne. Ce qui est sûr, c'est que c'est des forces immensément puissantes qui ont fabriqué Frostmourne, et avec tout le respect que j'ai pour les nains qui sont des artisans hors pair, Ashbringer n'est absolument pas une lame jumelle qui a été créée dans le set avec Frostmourne, c'est une lame créée par des nains pour pouvoir répondre à la puissance impie, on va dire. Du coup, on essaye de dire qu'en fait, Ashbringer, parce que ça arrive souvent ça dans la mythologie et tout, qu'il y ait des lames jumelles, etc. Mais elles ne sont absolument pas jumelles, ces lames. Et en fait, Ashbringer serait la seule lame qui puisse vaincre Frostmourne. Incroyable coup du sort, incroyable chance qui est là. Donc, Ashbringer, l'épée forgée pour vaincre Frostmourne, alors que les nains n'avaient jamais vu Frostmourne, mais c'est pas grave. Façon, donc Tyrion sort de son bloc de glace pour finalement mettre un coup d'épée qui sera bloqué par Frostmourne, mais en fait l'épée Ashbringer, la porte-cendre est trop forte pour Frostmourne, brise l'épée en deux, et le fait de briser l'épée en deux, ça va relâcher toutes les âmes qu'Arthas avait accumulées en tuant des gens. Il avait rébu leur âme, hein, notamment ça avait commencé par la sienne, hein, tout simplement, en récupérant l'épée. Et du coup, toutes les âmes sont lâchées, notamment celles d'Uther et de Terenas, donc des personnages qui nous avaient un petit peu guidés. Hein. Terenas, on l'avait entendu lors de la cinématique d'introduction, et Uther dans la salle des reflets nous avait aidés. Eh bien, on libère toutes ces âmes, et c'est Terenas, le popo, le papa d'Arthas, qu'Arthas avait tué, vous savez, cette magnifique cinématique. Eh bien, Terenas revient, et Terenas, eh bien, fait partie, donc, comme je l'ai dit, des âmes libérées, et à ce moment-là, pendant que Tyrion est opposé à Arthas, Terenas, qui va découvrir la joie d'être un paladin pendant une seconde, parce que grâce à Wrath of the Lich King, tous les chevaliers, tous les guerriers, etc., si vous voulez maintenant être un héros humain, vous devez être un paladin, sinon vous puez la merde apparemment, ce qui est quand même ironique quand World of Warcraft, probablement le personnage le plus apprécié des joueurs de manière générale, bien sûr il y en a un qui va nous dire que son personnage préféré c'était, je sais pas, c'était Marcus Jonathan, mais en dehors de quelques illuminés, le personnage humain le plus charismatique et le plus apprécié globalement des joueurs, c'était Varian, qui n'est absolument pas un paladin mais un guerrier. Mais apparemment, il faut tout simplement, maintenant, si on veut un humain charismatique, parce qu'il n'a pas, pas de charisme, il faut absolument lui donner des pouvoirs de la lumière, etc. Et du coup, ce sont tous des paladins. Tyrion, Bolvar se transforme en paladin à Wrath of the Lich King alors qu'il avait des sorts de paladin et de guerrier. On n'était pas sûr, c'était même un débat, savoir s'il était paladin ou chevalier à Vanilla. C'est un paladin. Et Terenas maintenant, alors que c'est juste un roi, il a jamais été dit qu'il était un bon combattant en plus. C'est plus un grand diplomate et un grand politicien. Eh bien Terenas, en tant que fantôme, il sait tout ce qui se passe. Il a tout le secret, tous les secrets de fabrication du casque, de l'épée, etc. Il connaît tout. Et en plus, c'est pas Tyrion ou Uther qui va ressusciter les joueurs. Non, non, c'est Terenas qui maintenant, en une seconde, va pouvoir ressusciter tout le monde. Il a les pouvoirs de la mort. Aucun problème. C'est devenu un paladin. Il ressuscite à tour de bras. Pas de problème. Et au final, Arthas est effrayé, tout ça, tout ça. Enfin, Arthas est vaincu par l'union de Terenas et de Tyrion. Finalement, Tyrion met le coup mortel. Terenas, en fantôme, va prendre soin de son fils qui est en train de mourir et qui dit « Père, j'ai peur, j'ai froid, je ne vois que les ténèbres. » Et il va mourir. « Je ne vois que les ténèbres », ouverture vers potentiellement le monde des ombres. Donc, pourquoi pas, eh bien, un retour d'Arthas à Shadowlands. Mais on a fait une vidéo spéciale là-dessus. Donc, je vous laisse aller la voir, la vidéo sur Arthas et Shadowlands. On a, du coup, eh bien, comme il faut toujours un roi Lich, le Hollandais volant a toujours besoin d'un capitaine, eh bien, il faut que quelqu'un mette le casque. Et qui d'autre que Tyrion, qui était déjà là, qui avait déjà affronté Arthas au début de Wrath of the Lich King dans le scénario des Chevaliers de la Mort. Pendant toute l'extension, Tyrion est le lien pour la Horde et pour l'Alliance du combat contre contre le Roi Lich. Il est là depuis le début, il est là, il a créé la Croisade d'Argent, il était à l'origine du tournoi qui a calmé un petit peu les tensions entre Horde et Alliance. C'est celui qui a détruit le cœur, donc il est censé un peu devenir prophétiquement le nouveau Roi Lich. Eh bien non,
Eh bien non, Bolvar, la lumière est tellement puissante en lui, eh bien, qui va dire à Tyrion, non, tu as encore de grandes choses à faire, Tyrion, à savoir mourir sur le rivage brisé comme une merde, eh bien, je vais prendre le fardeau de devenir le nouveau roi Lich. Reste en vie, Tyrion, le monde a encore besoin de toi, fais en sorte que ma présence reste secrète, cache ma présence, dis que le roi Lich a été vaincu et qu'il n'y en a plus. Il met le casque et il repasse en forme de glaçon en tant que roi Lich. Incroyable. Tyrion a tellement de grandes choses à accomplir. Je vais vous donner cette déclaration officielle qui vient du magazine WoW officiel volume 1 partie 3 interview du grand papa du lore de l'époque, à savoir Chris Metzen, qui a fait un travail de dingue hein, sur les licences Warcraft. Mais War Solution ne faisait pas partie de ce travail de dingue, malheureusement. Je vous le lis, pour le roi Lich, par exemple, on ne peut pas dire que Bolvar était un des personnages principaux. Évidemment, ce texte, je le réutiliserai pour la vidéo sur Bolvar. Il fait partie des personnages humains que nous voulions mettre en avant, mais il n'a pas beaucoup fait parler de lui. Cependant, nous lui avons réservé une fin si dramatique au portail du Kourou que les forums ont été soudain pris d'assaut. Bolvar. Spéculation et débat sur l'histoire de personnage, ce qu'il allait devenir, allait bon train. Alors, je le mets entre parenthèses, parce qu'Alexstrasza dit que le monde ne devrait jamais savoir ce qui s'est passé pour Bolvar. En gros, il allait devenir... Enfin, j'y reviendrai après. Et du coup, il y a eu plein de spéculations là-dessus. Ce qu'il allait devenir allait bon train. Ce n'était qu'un rouage du scénario que nous avions mis au point. Mais ce personnage allait déchaîner de telles passions sur les forums que nous en avons fait le roi Lich. Ce n'est pas vraiment ce qui était prévu lorsque nous avons écrit le scénario de la cinématique du portail du Kourou, non plus ce qui était prévu une fois la cinématique produite. Mais ça aura été l'un de ces moments où la communauté de World of Warcraft est tellement enflammée que nous nous laissons porter par son enthousiasme. Nous avons décidé de les suivre tête baissée, même si ce n'était pas du tout ce que nous avions prévu. Et si vous avez joué à Brothers King et que vous voyez un petit peu où je veux en venir, il est fort probable, on ne le saura jamais probablement, mais il est très fort probable que Bolvar aurait dû être un chevalier de la mort et aurait dû être l'opposé de Dranosh. Donc Dranosh aurait été pour les joueurs Horde le boss chevalier de la mort, Karthas a retourné contre nous, et du côté Alliance, il aurait très probablement été, ça aurait très probablement été Bolvar for Dragon, qui aurait été le boss que l'Alliance doit affronter, qui était auparavant un ancien commandant de l'Alliance, hein, le sacro-saint axe de symétrie qu'on adore tous bien entendu et qui nuit tellement à l'histoire. Et pour le coup, ils l'ont détruit l'axe de symétrie avec la demande des joueurs, mais en plus le pire c'était à cause de ça parce que il devait revenir en tant que chevalier de la mort très probablement, et qui devait être le roi Lich, ça devait être Tyrion, et c'est pour ça que dans la cinématique de fin, vous avez Tyrion qui garde le casque et qui a deux doigts de le mettre parce que c'était ce qui était prévu à la base. Il y a de grandes chances que ce soit Tyrion. Tout coïncider le fait qu'il ait empalé le cœur. Donc comme le volant des volants, tout ça, qu'il ait toujours été montré comme l'opposé du roi Lich pendant toute la campagne. Paladin versus Chevalier de la Mort, qui a toujours été l'opposé dans Warcraft 3 par exemple. Dans WoW, c'est également le cas. Le fait qu'il ait dirigé un petit peu toutes les opérations, le fait également que son épée soit censée être celle qui sera la destructrice de Frostmourne, tout semble indiquer que Tyrion devait être le roi Lich. Faisons un petit tour sur le safari, le tableau de chasse de cette extension Warsawish King avec les grandes figures qui sont mortes. Nous avons donc pour commencer Yogg-Saron. Alors Yogg-Saron n'est pas tout à fait mort, hein. Ce n'est pas une mort définitive pour le coup pour Yogg-Saron, puisque Yogg-Saron c'est juste que c'est sa forme qui était en train de s'échapper, qui a été vaincue, mais on apprendra comment tuer les dieux très anciens plus tard, notamment à Battle for Azeroth, et du coup Yogg-Saron sur le papier il est encore là. Nous avons également du coup Loken que vous voyez donc de gauche à droite, hein. Loken donc qui est tout simplement Loki, Thorim qui est tout simplement Thor, Freya qui est Freya, nous avons Odir qui est Odir, Mimiron qui est Mimiron, hein, donc les gardiens tout simplement qui sont des CTRL-C, CTRL-V de la mythologie scandinave. Nous avons ensuite Muradin qui avait été vaincu, pas tué mais qui avait été vaincu par tout simplement les forces de la Horde, et nous avons du coup Varrok Sorfang qui avait été vaincu par les troupes de l'Alliance, qui s'était tellement bien fait cet axe de symétrie qu'ils avaient exactement la même armure, mais une en rouge, l'autre en bleu, évidemment, les bleus contre les rouges. Nous avons ensuite donc Dranosh qui a été vaincu en tant que chevalier de la mort. Les deux que vous voyez à la fin à droite, ce sont Falric et Malwyn, qui sont tout simplement les deux capitaines qui ont suivi Arthas lors de son passage du côté obscur. Nous avons Anubarak, pas une fois, mais deux fois vaincu lors de War Solution King. Nous avons Kel'Thuzad, nous avons Saphiron, hein, qui a laissé sa place pour moment, hein, donc
j'en en reparlerai juste après. Le baron Rivender, donc le baron Vaifandre, qui était auparavant Stratol mais qui avait été ramené à Naxxramas. Nous avons ensuite Maligos, évidemment, l'aspect de la magie qui sera vaincu avec tellement d'amour. Nous avons ensuite la moment de Saphiron, à savoir Syndragosa, qui sera vaincu dans le raid de la couronne de glace. Nous avons ensuite Varimatras et enfin Mal'Ganis, hein, qui clôture les personnages bien sûr importants avant d'attaquer les deux grandes figures emblématiques, à savoir deux rois liches vont mourir lors de cette extension, Arthas comme on vient de l'évoquer, et Ner'zhul, qui a l'immense honneur de n'avoir jamais été nommé sur une extension qui parle du roi Lich. C'est quand même incroyable quand vous êtes le tout premier roi Lich et que dans Warcraft 3 on vous appelait comme étant le seigneur des ténèbres, le seigneur noir. C'est quand même incroyable. Donc en gros c'est comme si dans le Seigneur des Anneaux à la fin, eh ben, Sauron il est pas là. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Et du coup, pour revenir sur cette extension, également l'arc narratif saboté pour deux personnages emblématiques de la saga, à savoir Sylvanas et Jaina, comme je l'ai dit précédemment, qui avaient une histoire profondément liée et ancrée envers Arthas et le roi Lich. Sylvanas parce que ça avait été vraiment la première personne à s'être libérée de l'influence du roi Lich lorsqu'il Illidan avait utilisé l'œil de Sargeras, tout ça. Et Jaina qui elle était l'amour d'Arthas et qui par le devoir avait dû mettre fin à leur liaison, bah ces deux personnages là auront eu du coup une seule interaction avec Arthas, c'est celle de la salle des reflets qui aura été rushée parce qu'Arthas menaçait de les buter, donc il a fallu repartir. Petite anecdote d'ailleurs, Sylvanas dans ce combat là utilisait déjà des chaînes d'ombre, Shadowlands, tout ça, fin de BFA. Et au final, nous avons donc ces deux personnages là qui n'auront jamais eu vraiment d'interaction avec Arthas et leur arc scénaristique n'aura pas pu avancer d'un iota dans Wrath of the Lich King. On verra après à Cataclysme pour Sylvanas et pour Jaina. À la fin de Wrath of the Lich King, c'est tout simplement une histoire, c'est tout simplement un scénario qui meurt sous une pluie d'applaudissements des fans. C'est incroyable, cette extension est considérée comme la meilleure extension d'histoire de manière globale, hein, sur les sondages qu'on peut voir sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Twitter et autres. Elle est considérée comme la meilleure extension de lore par la plus grande majorité des joueurs de World of Warcraft. C'est incroyable. Du début, avant même que Wrath of the Lich King commence, jusqu'à la fin, c'est bourré d'incohérences, c'est bourré de stupidité, de facilité scénaristique, du grand n'importe quoi. C'est même plus de l'hommage, parce que faire de l'hommage c'est toujours important. Et par exemple, les hommages au Seigneur des Anneaux, ça a toujours été le cas dans Warcraft. Mais une reprise, un repompage aussi abusé, aussi vu, alors que ça détruit tous les enjeux scénaristiques qui avaient été mis avant, ça ne respecte absolument aucune ligne de scénario qui avait été faite dans Warcraft 3, et c'est tout simplement l'image d'un mauvais fanservice, parce que le fanservice c'est pas un mauvais truc. L'idée de fanservice c'est on reprend des éléments qui ont plu aux joueurs et on les intègre dans un tout scénaristique cohérent. Quand vous intégrez des choses juste parce que les gens ont aimé ces choses alors qu'elles n'ont pas leur place ici et que c'est fait de manière grossière, ça donne Wrath of the Lich King. Et les gens ont aimé ça. Et aujourd'hui, ils considèrent que c'est la meilleure extension, que c'était mieux avant, et qu'aujourd'hui, le lore de World of Warcraft, c'est de la merde. C'était bien meilleur avant, notamment avec Burning Crusade et Wrath of the Lich King. C'est incroyable. C'est vraiment formidable de voir ça. Donc voici la fin de Wrath of the Lich King. Et juste pour conclure cette vidéo, nous avons quand même Cataclysme qui arrive, et Arthas ne sera même pas le dernier boss de Wrath of the Lich King. Il s'agira tout simplement d'un random dragon, à savoir Alion, qui sera le dernier boss de Wrath of the Lich King pour préparer bien sûr World of Warcraft Cataclysme. Je sais, je suis dur, je suis peut-être un petit peu agressif par certains moments, mais vous pouvez aimer Wrath of the Lich King. Je suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit d'aimer Wrath of the Lich King, vous pouvez aimer Wrath of the Lich King, mais vous devez vous rendre compte de toutes les erreurs qui sont mais immensément nombreuses, et je ne peux même pas tout vous dire, j'ai fait que les grands points, et déjà, juste avec ça, ça fait déjà quasiment 2 heures. Wrath of the Lich King est une des pires extensions en termes d'écriture et de scénario et de scénarisation de World of Warcraft. Vous pouvez l'aimer parce que c'était peut-être votre première expérience sur World of Warcraft, ou que c'était l'une de vos premières, ou en tout cas que c'est des thèmes, des musiques qui vous ont marqué, mais vous ne pouvez à aucun moment de dire que c'est une bonne extension en termes d'histoire. Ce sont des faits que je vous ai montrés, et pas une opinion, mais des faits.
Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo très longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire, et encore, j'ai pas pu mettre toutes les cinématiques, j'aurais aimé montrer plus de choses, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager ça autour de vous, parce que malheureusement, beaucoup d'idées reçues naissent de cette extension, qui est vraiment, encore une fois, mise sur un piédestal. C'est rigolo quand ça parle de France Monde, mais merci énormément de votre soutien et de faire grandir la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous convaincre du fait que y a des petits soucis d'écriture. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. N'hésitez pas à aller suivre les autres vidéos de lore, que ce soit sur l'histoire de Warcraft ou bien Starcraft, Diablo, Overwatch et autres. Je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Et le Nexus de Maligos, évidemment. Je vous fais plein de bisous.